De le faire à un moment, donc tu es un peu concentré sur ton pouvoir. Tu as Shotai qui t'empêche de tomber. Voilà, tu es concentré. T'as pas vu le ah, vite, vite, attention. Voilà, c'est quoi comme pièce? Qu'est-ce que ça peut être? Oh, des un peu typique, tu sais, des petites plantes un peu piquées sur les côtés, genre. T'étais concentré sur des individus et pas sur des objets, donc du coup avec ton pouvoir. Voilà, donc t'avances quand même, donc Shotai te protège. Je demande pas de concentration.
Oui, mais voilà, t'es pas non plus un spécialiste de la forêt. Du coup, voilà, il t'a protégé à un moment. Vous avancez encore, vous êtes à quelques heures de. Vous pensez un peu moins, peut-être 1 heure du bâtiment, des ruines. Mais par contre, bah voilà, il vous a quand même marché pas mal d'heures. Il te propose de se reposer, parce que sinon tu vas être fatigué. Du coup, de monter un petit camp, de préparer au moins de quoi se restaurer. À 1 heure, ouais, c'est pas mal à 1 heure. D'accord. Du coup, bah vous vous installez. Il prépare à manger et à boire. Il a On peut préparé le pas feu. suivre, par contre, quand Non, même. tu veux pas. Donc bah t'as cru voir des petits trucs qui ont bougé au fond, mais rien ne s'est approché assez près de toi. Donc mais voilà. T'as cru voir, t'as cru sentir peut-être des mouvements, des petites choses comme ça. Des petits êtres, des trucs comme ça, mais rien de. Non, non, plus des individus Ah. ou des. Ok, donc j'ai pas. Alors, donc quand même pas des animaux, quoi. Non, D'accord. Je ne vais pas réagir quand ça viendra plus près, en fait. non. Je comprends. Je reste discret et puis je fais confiance à Finis. Tu te sens, voilà, enfin, tu sens que la forêt est un peu bizarre, il y a des trucs, il y a des corbeaux, enfin, tu vois, c'est une forêt assez dense, hein, elle n'a pas été travaillée par des émines depuis des siècles, hein, donc. C'est assez étouffant. Ouais, enfin, vraiment, Ok. ça fait enfin, c'est une forêt vierge quasiment. Je peux regarder un peu, enfin, autour de moi et tout, s'il n'y a pas des plantes un peu bizarres ou des trucs comme ça, tout est assez connu en fait. Je peux Oh, regarder. tu peux regarder, c'est plutôt commune pour des territoires du Nord. Mais après, bon, je dis pas, hein, peut-être certains vont Mais dire, bon, ah, mais tiens, je c'est connaissais pas. étouffant, mais il n'y a pas de trucs véritablement bizarres. Non, non, c'est vraiment plus un territoire qui n'a pas été, on va dire, Ok. travaillé, quoi. On n'est pas passé là depuis un bon moment. Voilà. Ok. Donc. Donc, du coup, bah, tu peux avancer tranquillement. Et là, vous arrivez près du campement. Ben, du campement, oui, parce que tu vois un campement en fait près d'un truc qui semble être en ruine, un certain édifice qui te ressemble pas vraiment à un temple selon toi, mais plus peut-être à une vieille forteresse ou un vieux château, donc Ok, d'accord. un chiro ou quelque chose qui avait l'air d'être beaucoup plus massif, hein, des choses qui ont été éventrées, une bâtisse qui avait dû être beaucoup plus importante, et tu vois qu'il y a des tentes qui ont été mises dedans. Le Shota, il te dit, ah bah ça doit être là où les moines ont dû s'installer, ils sont peut-être en danger, on devrait peut-être aller voir. Donc en fait, c'est un plus un château où il y a un camp, en tout cas, qui s'est un petit peu installé à l'intérieur. On peut entendre un petit peu, voir déjà comme ça Tu de entends des loin. bruits comme s'il y avait des gens qui faisaient leur rata, des petites choses comme ça. Okay. En fait, on atteint les ruines, mais les ruines sont vraiment dans la forêt ou bien des zones non Une boisées? légère petite zone qui a été mais parce que voilà, Après, il y a ça avait dû 10-15 être mètres. brûlé ou quelque chose comme ça. Il y a la forêt, il y a 10-15 mètres, et puis il y a le château. Voilà, c'est ça. Ok, attends, c'est. D'accord. Pour qu'on puisse un peu voir qui s'approche dans le but. Donc, on va rester un petit peu proche, dans la lisière, loin de la forêt. Et puis, on va essayer juste de regarder, en fait, tout simplement, voir si on voit des trucs, en fait. Et si on en profite. Tu te sens pas très très bien, t'as un peu la tête qui tourne, t'as Shota qui te regarde et dit, vous allez bien Togashi-sama? Vraiment, tu manques de tomber un petit peu, enfin voilà, t'es pas non plus avachi par terre, mais voilà, t'es un peu bizarre. C'est la fatigue ou c'est autre chose? C'est pas de la fatigue, je veux dire, ça fait pas 24 heures non plus que t'as pas dormi, D'accord. etc. Non, non, là en fait, tu subis la condition hébété. D'accord, donc c'est plus un gaz. Bah, Ça peut être le lieu, ça peut être, enfin, d'accord, ça peut être de la magie. ça peut être de la magie, D'accord. ça peut être, est-ce que t'as fait caca avant de partir, enfin, ça peut être tant de choses.
Oui, on n'en parle jamais assez dans les jeux de rôle. Pensez à faire caca. C'est vrai que même dans les jeux vidéo, la fois, il va jamais faire pipi et caca. Donc du coup voilà, tu te sens la tête qui tourne, t'es pas très très bien, mais bon, t'es pas encore rentré dans la zone, t'es plutôt à l'orée de cette Ouais, on petite est clairière. à la lisière. Oui, voilà. D'accord. Et du coup, on peut voir quelque chose quand même, même Tu si vois c'est assez. des ombres comme s'il y avait des moines en fait qui. Enfin, ils semblent habillés en moines, quoi, c'est pas des samouraïs, qui ont l'air d'être dans les ruines en fait. Ok, Là, je t'as vois. vu 2-3 personnes subrissement des ombres, de gens qui ont l'air de faire un ratat ou de manger. Ou... D'accord, ils Faudrait que tu t'approches à ce moment. font la fondue. D'accord, donc je me sens pas. C'est venu tout à coup en fait le fait que je me sentais pas super bien, ou bien c'est venu quand même petit à petit en approchant en fait, de des C'est venu ruines. petit à petit. D'accord, donc plus pourrait considérer que plus je m'approche des ruines, plus je sens qu'il y a quelque chose qui me gêne. D'accord. Écoute, je vais me retourner vers Shetai parce que j'ai envie de. Enfin, tu ne me demandes pas de jeter un jet pour savoir si je peux pas voir mieux, apparemment, Non, là, faut que tu te rapproches, à moins que tu demandes à mais. Ouais. Shotai d'y aller. D'accord, non. Et lui se sent bien. Comment? Lui, il n'a pas de problème. Non, il te regarde, il dit non, mais ça a l'air d'aller. Hein. Après, lui, il n'est pas béni par Togashi, hein. Il est qu'un Oui, simple non, c'est sûr. mortel. Oui, et à moins que si. Enfin, rien, si c'est un moine qui est en train de prendre la Mao, il suit peut-être pas certaines choses. Mais l'idée, là, quand même. Ok, bah, du coup, je vais lui dire que je me sens pas super bien et donc, on va peut-être retourner un petit peu plus loin pour que je puisse reprendre mes esprits. Ok. Alors là, tu continues de vous avancez un peu, tu te tiens un petit peu à lui, hein, du coup. Quand soudain, je dis bien soudain, tu tombes dans une fosse avec des pics en dessous. Shotai, du coup, et glisse sur un côté pour essayer de se retenir. Toi, par contre, tu t'effondres dedans, hein, tu vas tomber dessus. Donc tu peux me faire un. Non, tu. Bah non, les jets d'esquive comme t'es bêté, c'est pas possible. Du coup, bah tu vas juste manger des pics. Voilà. Donc tu vas pas prendre énorme, hein, c'est plus autre chose, mais tu sais, surtout que la fosse est assez Ouais, je crois que profonde. c'est la preuve que Togashi essaie de t'avoir, mais l'air de rien, quoi. Bah, tu viens de prendre Voilà. 12 points de dégâts. Et voilà, donc t'es au sol, t'as pris 12 points de dégâts. Puis un moment, puis bon, quelques secondes après, t'entends Shotai qui crie Maître Togashi, au secours, au secours! Et puis voilà, ça part. D'accord. Bon, là, t'as un petit peu mal, hein, t'as quand même. Tu peux utiliser un point de vide si tu veux pour virer les 10 points de dégâts, c'est toi qui vois. Écoute, j'ai déjà total points de dégâts, mais ça je pense que c'est de l'époque. Oui, je suis donc t'as tout perdu, c'est bon, c'est Quand tout. on s'est fait attaquer, donc du coup, je ne vois rien. Je vais utiliser un point de vide pour réduire. Ça réduit de 10, donc du coup, je fais 2. Ah, mais force de la terre subit moins 3, du coup, je ne vois rien. En force de la terre, c'est les malus, c'est pas une réduction. Ça a rien à voir, c'est juste pour calculer les malus, c'est pas pour aller pour réduire les dégâts. Ok, donc, du coup, je reçois à 2. Ouais, c'est ça, tu en reçois deux. Une égratignure. Bon, voilà, bon, t'es perdu dans un piège. Ok, d'accord. C'est profond ou pas faux? Baf, là, ouais, c'est sûr, ça fait deux fois ta taille, quoi. Ouais, mais c'est pas un problème, moi, je sais pas. Ah bah oui, tu as des capacités uniques, c'est sûr. Tu peux les utiliser, c'est évident. Le fond en fait du piège, c'est des pieux. Ouais, c'était des pieux, un peu dans de la boue, il y avait l'air d'avoir eu des feuillages. Et oh bah tiens, qui c'est que tu trouves? Tu trouves trois éclaireurs de la Légion.
Du coup, il devait pas y avoir. Il y avait un énorme trou, s'ils sont déjà tombés. Les trois dedans, l'énorme trou. Ah, peut-être qu'on en a balancé. À mon avis, ils ont accompagné Shotai l'un après l'autre, ils y sont passés l'un après l'autre. Oui, c'est possible. Tu vois que l'un des éclaireurs a un bout de tissu qui tient fermement dans la main. Bon, je vais bien regarder, ouais. D'accord, je te dis en MP ce que c'est. Voilà, c'est bon. Ok, du coup je vais le prendre avec moi ce tissu. Ok. S'il le serre pas trop fort après être mort 2 semaines. Bah, déjà il a pas 2 semaines, non. Il a quelques jours, mais va falloir que tu lui pètes un peu les doigts, enfin que tu l'écartes un peu, mais. Oui, ouais, je crois pas que ce soit trop un problème. Bah, ça dépend de pas mal de choses. On va dire que t'arrives à tirer un peu fort et ça passe. Je tire un peu fort, ça passe, je glisse, je tombe sur un vieux, je meurs. D'accord, lance les dés. Je fais aucun effort. Ouais. Enfin voilà, je l'emporte quand même parce que ça met dans ma besace. Je pense que c'est important. Autrement, il n'y a pas d'autre truc sur eux. Hein. Leurs armes, leurs vêtements, non, sinon. Enfin après, tu fous des cadavres, c'est toi qui vas. Oui, non, le truc, c'est que. Après, je m'encombre de beaucoup de choses en fait. Donc, du coup, je vais prendre le. Et puis je vais le mettre dans ma besace et puis je vais sauter à l'extérieur. Ok. J'écoute peut-être un petit peu avant de sauter, peut-être parce que du coup j'ai entendu Shotai en fait dire ouais. Et du coup ça partait en fait. Oui, totalement, comme s'il était emmené vers les ruines. Ok. Ah, quand même vers plutôt direction les ruines. Oui. Ok, d'accord. Et en regardant en haut, j'ai pas deux trois têtes qui regardent un petit peu en bas juste avant pour pas que j'ai une petite surprise. C'est possible. Je vais regarder avant. Je l'air un peu con de sauter et puis de me retrouver devant 5 personnes. Là, tu vois rien pour l'instant en regardant l'air. Ok, je vois rien, pas d'ombre ou quoi que ce soit. Je peux activer mon tatouage avant pour savoir. Oui. Alors je vais le faire. Tu détectes une présence pas très loin du trou. D'accord. Une seule. Oui, et c'est pas un lapin. D'accord. Donc en même temps, si ça fait 2 fois ma taille, je dois avoir quand même plutôt une assez une grande superficie autour. Oui, c'est pour ça. Autour quand même, donc. Ok, je vais sauter. Je vais sauter et puis je vais faire un joli salto arrière en même temps, enfin, un truc parfait quoi. Pas de soucis, réussi. Ah, tu vas me faire quand même un petit jet d'athlétisme plus agilité. Évidemment, tu perds 3G0 parce que. Bien joué. Bon bah du coup, super salto arrière, ninja. Quoi, toi aussi t'es un ninja? Du coup, en face de toi, tu vois un homme encapuchonné avec un bicento. Ah, bicento, c'était... Une arme longue qui fait du 3G2. Okay. C'est une arme d'enculé. Voilà. C'est une sorte de lance avec une... Avec un katana au bout. Ouais, avec une grosse épée au bout. Hein. Ok, d'accord. Je vais me relever gentiment, en fait. Attaque! Lui, il est pas gentil. Hein. Ah oui, il est pas gentil.
Bah, il vient de kidnapper un moine. Là, il peut l'occasion d'en buter. Je dis simplement, je saute. Je lui fais passe. Ouais, mais lui, il t'attendait. Il a une arme à allonge. Pas de soucis. Ah, déjà, t'as eu du bol. Il a pas pu avoir une attaque surprise en sautant parce qu'il pensait pas que t'allais sauter d'un clos. Du coup, il pensait que t'allais lever la tête en petit bas. Du coup, il t'allait te planter direct. Et du coup, comme il peut pas te planter direct, bon, bah, du coup, t'as fait son tour. Il s'est retourné. Et puis, tchac. D'accord. Du coup, alors, attends, hop, où est-ce que j'ai mis ma fiche ? Attends, une seconde, je reviens. Je peux me mettre en position d'esquive. Ah oui, c'est vrai. Voilà, j'ai repris mon écran de maître. Du coup, un Bicento. Du 3G3. Ouf, joli. Ok. Donc, t'as un type un peu mulasse qui te regarde. Initiative, hein, tu peux la lancer. Je cherche une image. Comptez les moins 3 G0. Ah ouais, pour tout. Voilà. Donc le type ressemble à ça. Hein. Ah oui. Quoi. Voilà. Du coup, bah, lui aussi, il va lancer ce petit truc. Il te bat. Bon, t'as pas à avoir peur, hein, il t'aurait battu quand même. Il te bat, hein, donc du coup, t'as pas à avoir mal. Il t'aurait battu. Du coup, il va frapper. Du coup, bah, il te touche. Attends, TBT. Ouais. Donc du coup, donc t'es bêté et tu... Non, donc ça ne change pas pour ta touche. Donc on touche sur un combien ? Ok, bon, bah, la première, elle passe. Les dégâts, du coup. Alors 19 points de dégâts pour sa première attaque. Deuxième attaque, elle passe. Et 20 pour la deuxième attaque. Le gâchis, plus de la merde. Ah ouais. Ah, il voulait être cuistot, il a fini en plein de résistance. Tu vas me faire un petit jet de terre, mais sans malus. Ouais. Je sais pas, un côté badant autour de toi. Un jet de terre. Ah putain.
Ouais, ah oui, ah, tu sais ce que c'est. Hein. Eh bah oui. Un jet de terre pure, hein, avec un grand jet. Ils t'ont fait bouffer du poison ? Ouais, ça passe ! Dans quel sens ? Pour lui ou... ou contre lui ? Ça passe. Les 1, je les accumule. Oh, ça va, t'es encore loin du karma Shuba. Ah bon ? Ouais, vous pouvez changer Shuba et Captain Red vos noms dans le chat ? Ok, du coup, à toi de taper, hein, vas-y, hein, t'as le droit à ton tour. Ok, donc en fait, je vais mettre taper. Donc du coup, il m'a fait 39 points de dégâts. Il a un petit sourire narquois. En deux attaques, en fait. Donc du coup, je reçois pas 39, je reçois 33. Attends. T'as fait deux attaques, donc à chaque fois, si t'avais une réduction de base, mais t'as pas de réduction de base, non ? Non, Force de la Terre, ça réduit le niveau de malus. C'est pas une réduction d'armure. C'est juste qu'avant que tu aies les seuils avec des malus ATG, il est réduit de 3. T'as pas un tatouage qui te fournit de la réduction ? Enfin, je... Faut l'avoir activé, quoi, mais... Voilà, du coup, alors t'en as combien de points de dégâts ? T'es un potent ? 41. Ouf. Eh non, mais clairement, c'est... Alors, tu peux aussi parler, tu peux te rendre, tu peux vendre ton âme. Je vais lui dire qui êtes-vous et que voulez-vous en parlant un petit peu. Est-ce que t'as l'air agressif quand tu dis ça ou don't fight me? C'est plus en défense en fait, en recherche de non conflit. Ok, donc je recule un peu en fait. Et tu retombes dans le trou? Non, je retombe pas dans le trou évidemment. Ah bah tu bottes si tu me précises pas. Mais du coup. Ok, du coup, bah, est-ce que il te dit, bah, que tu dis ça, donc du coup, tu passes ton tour juste à faire ça. Je peux pas me mettre en posture de défense. C'est un peu... Alors, bah, comme t'es hébété, tu peux pas te mettre en posture de défense. Je peux faire un truc. C'est mon tatouage en fait aigle est toujours encore actif. Si tu veux, oui. Et je vais en fait il y a un arbre, je vais sauter en fait sur un des arbres. Vas-y. Assez haut. Donc je vais sauter en fait et puis je vais... Attends, ouais, on va dire que c'est un nouveau tour. Ok, donc veux que je fasse un jet pour ça ou... Tu vas me faire quand même un test, ouais. Parce que c'est te rattraper sur l'arbre. Donc agilité plus athlétisme. Donc moins 3G0 de la condition EBT. Et comme tu es impotent, c'est ça ? Ouais, je suis impotent. Bah du coup, t'as des malus. Et plutôt pas qu'un peu. C'est combien déjà impotent ? C'est du... 40, non ? Impotent, c'est moins 20. Moins 20 ? On voilà, donc 17 pour lui parce que du coup il a force de la terre. Du coup en fait tu dois faire ton G, donc tu fais ton G, t'enlèves 3G0 et tu rajoutes à la commande moins 17. Ok, alors, je perds un nombre négatif, ça va être... C'est pas possible. Ah que si. Ah si, tu peux, hein, faire un G en négatif, tu peux, hein. Tu vas pour sauter et tu sautes et tu te rétames sur le tronc de l'arbre. C'est-à-dire que t'as raté ton jet et paf dans l'arbre. En plein sur l'arbre. Ouais. Tu me fais. Allez, sans rancune, vieille branche. Excellent.
Et du coup, avec tes blessures, etc., contrôler un saut pour atteindre la branche à la hauteur que tu voulais, bah non. T'as fait ta projection, tu t'es bien projeté, t'es passé au-dessus de lui. Il n'a pas eu le temps de réagir, du coup. Mais par contre, la branche, tu l'as ratée, et direction le poteau, quoi. Je suis pas passé. Entre deux branches, je suis passé direct, là. Direct sur la branche. Ah, c'est des séquoias, hein, c'est gros. Hein. Okay. Allez, du coup, juste pour le fun. Ah oui, quand même, le séquoia, il fait mal. Du coup, bah, tu t'es pris quelques écorces. Bon, tu t'es pris 4 points de dégâts. Ouais, le séquoia, il fait mal. Ah bah, en même temps, tu t'es projeté pour atteindre un truc. Du coup, t'avais mis ton pouvoir de l'aigle, hein, pour faire un saut assez loin pour pouvoir... Parce que si tu me disais que tu aurais fait juste un petit saut à côté, le mec t'aurait attaqué tout de suite en visant un truc là-haut. Je veux dire, le mec pouvait pas te taper au prochain tour. Ah, c'est là... que j'ai l'impression que j'ai l'air d'être un gros naze du saut à ce moment-là. Alors, tu veux dire partir tout seul dans une vallée interdite sans collègues qui sont au courant que t'es là ni rien, alors que tu sais qu'il y a des moines qui sont plutôt badass parce qu'ils vous ont attaqué la dernière fois. Alors, je sais pas que c'est des moines. Ah, moines. En tout cas, tu sais qu'il y a des moines qui traînent dans quoi. Tu sais pas ce que c'est. Il y a des monstres. Il y a peut-être eu un mort-vivant et tu y vas tout seul. Moi, je dis vivement le passage dans l'autre monde. Hein. Oui, non, ça dépend. Ah bah, comme le disait comment ça s'appelle, Spider-Man, les grands pouvoirs incombent des grandes responsabilités et aussi des ennemis badass. Du coup, voilà. Donc du coup, tu commences un peu à t'évanouir de fatigue, à moins que tu décides de te rendre. T'as le droit à une parole, sinon tu tombes un peu dans ta blessure. Ok, d'accord. Donc je vais parler quand même. Bah, en gros, soit tu peux essayer de lui demander quelque chose, soit sinon tu vas un peu t'évanouir parce que bah c'est pas facile de tenir avec toutes tes fatigues et bah, ça fait quand même pas mal de marches, les combats, les grosses blessures de sang qui saigne. Je vais dire je vais un peu murmurer pour moi-même en fait. Il est à côté, hein, j'imagine qu'il va entendre. Oui, vas-y. Et je vais dire Shinsei est grand. Bon, là, il te regarde et il dit, ah bon ? C'est pour ça qu'on l'appelle le petit maître. Bon, là, tu vois qu'il te tend il te met la lame sous la gorge et puis bon, il voit que tu t'évanouis. Voilà. Donc, par contre, t'as pu voir commencer légèrement une petite brume dans la forêt qui commençait à naître. Parce que là, on était le début du matin. Il y a une petite brume qui commençait à naître. Voilà. Du coup, maintenant, j'en reviens à la Légion. On a perdu Shiba. Vous êtes tous là ? On a retrouvé Shiba. Oui, mais nous, on suit le Chan, on sait pourquoi tout ça. Voilà. Non, je sais, j'ai lu 2-3 livres. Juste une petite question, Togashi, tu fais pas officiellement partie de la 13ème, on est d'accord ? Officiellement, j'ai été intégré pour... Il accompagne la 13ème voilà. Légion. Mais il l'accompagne, c'est ça. Non, parce qu'il faudrait pas qu'il te torture et qu'ils aient des renseignements sur le fait qu'ils vont être attaqués d'ici quelques heures, quoi. Bah, en même temps, vu ce qui s'est passé, il en a pas trop l'information, tu vois. J'en ai pas l'info, hein. Ah, bon, alors ça va. De rien. Va. Du coup, il doit avoir des infos sur les troupes qu'on somme, quoi. Ouais. Je donnerai des infos à Togashi après coup, mais du coup je reviens aux autres. Alors bon, vous arrivez, vous êtes installé, donc vous attendez. Là, la pointe du jour commence à arriver et une brume commence à apparaître qui vient de la forêt. Genre brune qui commence badass quoi, et qui englobe vraiment vraiment toute la forêt. Hein. Ça vous touche pas vraiment, ou c'est très léger ce qui vous touche, mais vraiment toute la vallée est embrumée purée de poids quoi. Bah, voilà, vous voyez très bien. Ça semble naturel comme brouillard ou...
Bah, c'est con qu'ils aient pas de Shogunja. Bah, y a pas. Ah oui, non, Isawa Toka, il suit son propre chemin. Du coup, pour l'instant, vous savez pas trop. La moitié, en tout cas, de votre armée, clairement, pour eux, c'est un signe. Bah, ils ont entendu voler interdite, etc. Ouais, ils badent un petit peu. Certains ont dit, alors je sais pas, hein, mais en gros que c'était dangereux. Vous avez pas parlé de ce qu'ils vont attendre, eux ils y sont allés. Donc du coup vous avez une partie de l'armée qui est un peu inquiète. L'autre qui disent, c'est du brouillard quoi, ça arrive, c'est des vallées encavelées, c'est possible. Ok, il y a une partie des troupes qui paniquent un petit peu en disant, c'est grave tu crois, je sais pas, les chasseurs seraient inquiets ou pas. Ah, moi je leur dis clairement, pas sur le mur du crabe ici, hein. C'est rien pour l'instant. En attendant, je prépare les troupes comme j'ai marqué sur le canal, tu sais, je mets une troupe à l'arrière avec idée que le fameux bus de son côté, qui est pas de son côté, sur nos arrières, et puis comme je t'ai marqué sur le chat. Hein. Ok, d'accord. On sait à quelle heure, à quel moment de la journée ils vont attaquer les Phoenix. Non, normalement c'est eux qui devraient vous prévenir dans l'idée, au mieux. Ouais, alors ça c'est vraiment de la merde. Si ça avait été moi qui avais monté le plan, j'aurais coordonné les deux. Eh oui, mais t'as pas voulu faire le duel. On est là, c'est juste pour nous faire plaisir. J'ai pas voulu. J'aurais bien aimé, hein. Oui, moi aussi, j'ai une tête sous bout qui me démange. Dans tous les cas, je réconforte ça un jour. Oui. Je soutiens les mecs qui sont un peu qui ont un peu les chocottes entre guillemets, en leur disant que ça va pas, que c'est pas grave, que c'est juste du brouillard, c'est pas ça qui va les tuer, etc. etc. Je vais pas utiliser le mot tuer, mais voilà, c'est l'idée. On n'a jamais vu un brouillard massacrer une armée. C'est surfait les brouillards, c'est surfait vraiment. Ouais, clairement. Oui, c'est vrai, c'est ce qui est dans le brouillard qu'il faut se méfier. Il se passe du coup, la journée continue d'avancer, aucun signe, rien du tout pour l'instant, en tout cas de toute la journée. Moins que vous décidiez de faire une entrée, là vous êtes arrivé, on va dire fin de la nuit, début de la matinée, hein, vous êtes installé, etc. Et là vous attendez, et pour l'instant la journée se passe. On sait combien de temps l'armée Phoenix elle devait arriver, parce que dans le moment elle était proche quoi. Normalement elle devrait pas tarder quoi, mais bon pour l'instant en tout cas de votre côté. Ils ont toute une forêt. À fouiller aussi. Et oui, voilà. Donc. Ce bordel. Une semaine que vous attendez, quoi. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Non, mais le truc, c'est que s'il y avait un combat, je pense que ça se verrait. Entre guillemets, tu vois, je veux dire, on verrait peut-être des. Si c'est un village, si à l'intérieur de la forêt, il y a des habitants, les enfants et les non-combattants vont partir, les vieillards, etc., vont peut-être essayer de fuir. Ceux-là, ils vont pas rester dans le village si le village est attaqué, clairement. Ça, on devrait les voir, tu vois. Donc, au premier signe de combat, ou même un peu avant, même, on devrait voir des mouvements. Alors, peut-être d'une zone de la forêt vers l'autre, mais on verrait peut-être. Puis, si c'est les Phoenix qui attaquent, donc ils vont y envoyer plein de sorts, etc. Les sorts, ça va se voir, quoi. Donc voilà. Du coup, c'est ça que... Donne, quoi. Pour l'instant, clairement rien. Là, il est midi, donc vous avez passé donc du matin jusqu'à midi, rien. Je vais organiser. Vous voyez que dalle avec le brouillard qui est de plus en plus épais. Vous voyez que dalle. Et par contre, le brouillard vient bien de la vallée. Et semble être dans la vallée. Enfin voilà quoi. En même temps, c'est une vallée enclavée. Mais en tout cas, voilà, vous voyez pas grand-chose à... Faudrait soit vous avanciez, soit... Enfin, il y a encore quand vous avancez, vous voyez que vous êtes de plus en plus dans le brouillard et vous voyez de moins en moins vos pieds, quoi. Est-ce que je vais organiser une... collecte. Une collecte ? Ouais, en fait, je veux récupérer des pièces pour les mettre devant la zone de la première ligne. Okay. Pour que si les gens marchent, s'il y a une armée qui avance, en fait, on entende, tu vois, la marche sur ça. Ouais, je vois, c'est une très très bonne idée, bravo. Du bruit. Excellente idée.
Alors, collecte ou n'importe quoi qui pourrait faire un peu de bruit, genre jeter des petits tas de trucs métalliques pour qu'on entende des sons un peu. C'est pour faire quoi? Pour s'entendre dans pour le brouillard pour faire quoi qu'il y a une armée qui se déplace? Non, ah ouais. pour savoir c'est un piège à détection. C'est un détecteur en fait, c'est un détecteur de mouvement par le son. Voilà. Ça sonne s'il y a du mouvement. Alors, le truc c'est que s'il y a des animaux, ça on pourrait l'entendre, mais s'il y a un... Ouais, mais je veux dire, si c'est voilà. une marche voilà. plusieurs fois, ça va s'entendre plus longtemps. C'est un peu comme tu brises un bout de verre et tu l'écartes, tu le mets sur c'est... tout l'entrée quoi. C'est un peu ça, c'est exactement ouais, ça quoi. C'est exactement ce que je voulais, mais je pense pas qu'on ait du verre, donc voilà. Si on en a, moi, j'en prends, hein, mais voilà. Non, mais les pièces, c'est une très bonne idée, t'arrives à récupérer les pièces. Le brouillard, il vient jusqu'à nous jusqu'à vous, ouais. En fait, il vous touche un petit peu, mais il est léger en fait sur léger, vous. Mais par contre, dans la forêt, il est hyper dense. Hein. Moi, je proposerais bien une variante de ta solution qui est de faire des petits monticules de cailloux. Oui, ça en fait partie, ça en fait partie. Mais le truc, c'est que les monticules de cailloux, c'est chiant parce qu'il faut rentrer dans le brouillard. Alors que les pièces, si je peux les lancer, pas besoin d'y rentrer. Les pièces, il suffit qu'on prenne des cailloux, puis on les jette en face, quoi. Oui, bah voilà, mais le truc, c'est que bah tout, je prends tout. Voilà. Métallique, c'est mieux parce que ça fait plus de bruit, je pense. Mais... Ouais, mais alors là, je pense pas que les soldats vont se débattre. Assez de leur coucou comme ça quoi. Alors j'aurais bien une solution qui serait de prendre un sac avec mettre du matériel dedans, genre tissu et des bouts de métal pour faire comme s'il y avait des corps qui se déplaçaient. Parce que c'est pas tout à fait le même bruit, parce que juste des bouts de métal qui tombent, ça fait un peu bizarre. Oui, t'as compris l'idée, voilà, on s'en fout de la technique derrière précise, mais voilà, l'idée c'est d'avoir des pièges sonores quoi. On s'en fout après. Ah, moi ça me va, hein, donc il n'y a aucun souci. Donc vous faites ça. L'après-midi continue à se passer, il n'y a toujours rien. Donc on va arriver en début de soirée. Pas de bruit plus que ça. Alors, un petit peu de bruit de temps en temps, genre un lapin qui passe. Mais pas de mouvement. La nuit commence à faire, à tomber. Et là, dans la forêt au loin, vous voyez des petits brasements de feu. Vers à votre droite, on va dire, de la forêt, à la droite de la forêt. Ça n'a pas encore atteint les ruines. On va mettre. Attends, je vais mettre le bouton. Hop, voilà. Ça n'a pas atteint, on va dire, les ruines là, ce que j'ai mis en mauve, de mon avis. Mais en tout cas, on va dire que là où il y a le 7, vous voyez des petits foyers qui a l'air d'être lumineux. C'est une armée qui se prépare, quoi. En tout cas, il y a du feu, il y a des choses comme ça, vous voyez des bouts de feu, de lumière. Shiba, Yasuhiro-sama, est-ce que vous savez où se trouve l'entrée officielle ? Elle se trouve vers le 7, non ? Oui, carrément. Enfin, on joue genre nord, sud, est, ouest, ouais, c'est plus vers là que ça pourrait être l'entrée. Alors, je ne pourrais pas vous garantir qu'il s'agit là des troupes dont nous attendons là. Mon intervention, mais ce serait dans cette direction globalement. Bon, les choses avancent. Quelques heures se passent encore, pas mal de feu hein, qui a l'air d'être apparu. C'est bien la première fois que je vois des magiciens en retard. Peut-être ne arrive-t-il juste qu'à l'heure attendue, mais que nous ne savions pas laquelle elle était. On reconnaît bien les techniques du clan du Phénix. Attendre le moment opportun et faire ce qu'il faut. Je dirais plutôt les moments inopportuns et mal avisés. Alors là, tu viens quand même de... Vous faites ce que vous voulez, les gars. Si vous voulez vous faire un duel entre vous, aucun problème. Non, mais je donne mon explication. Shiba... Osama. Le combat de nuit pour des troupes non... L'entraîner à cela, tout simplement. Ces troupes sont celles qui gardent l'entrée principale. Oui, s'ils se contentent de ne pas rentrer, ça ne me gêne pas, mais s'ils se préparent à rentrer dans la forêt de nuit, dans une forêt aussi dense avec du brouillard. Mais peut-être que cette action est plus avisée que ce que vous n'arrivez à en percevoir, Ida Kyonyu-sama. Sachez que l'heure n'est pas au fait de vous faire ravaler ces paroles. Injurieuse.
Nous verrons lorsque nous n'aurons plus besoin d'être en forme pour nous battre. L'autre feu dont tu parlais, MJ, c'était vers le 6 ou vers le 5, vers le 8 il y en a plusieurs. Genre là où il y a le 6, le 7. Voilà, ça se déplace, il y en a plusieurs. Mais il reste, hein, une fois qu'il y a du feu, ça reste. C'est juste qu'il y en a d'autres qui pop un petit peu. Donc là, il est vers 23h dans l'idée, à ce moment-là. Donc vous voyez juste des feux apparaître dans cette zone de la forêt. Vous entendez une petite voix. Allez, hop, je vais mettre une autre couleur. Hop. Une petite voix ici qui crie au secours, au secours! En Rokugani. Elle ressemble à quelque chose qu'on reconnaît? Une voix qu'on reconnaît? Non. Bah non, pas plus que ça. Il y a le brouillard et tout. Vous entendez juste ça? Au secours, aidez-moi! Ça sent le piège. Est-ce que vous agissez? Vous êtes rien? On est au milieu du brouillard et qu'on souhaite diviser notre piège. De toute façon, nous n'avons pas le droit d'entrer dans la forêt. Moi, j'enverrais bien une volée de flèche, hein? Ouais, tu envoies une nuée de flèches pour être sûr. 5 minutes après, vous entendez un « au secours !» mais pas dans la même direction. Ouais. La même voix exactement ? Non. Mais après, la numéro 1 recommence. « Au secours ! Au secours !» Ah, c'est des sirènes. Bien sûr. Là, il y a certains de vos troupes qui vous regardent, ils ont chef, ils vont intervenir, ils ont peut-être besoin d'aide. Enfin, vous voyez qu'il y a ce regard sur certains de vos hommes. Messieurs, nous n'avons pas le droit d'entrer dans la forêt, sauf sur ordre express du clan du Phoenix. On va faire plus simple. Ceci est un piège grossier pour nous obliger à nous diviser et nous rendre plus facile à combattre. Souhaitez-vous vraiment que nous entrions dans une zone que nous ne connaissons pas ? Dans un piège préparé à l'avance. Il est bientôt minuit. Je considère que vous n'avez pas agi du coup aux secours. Ça a duré 10 minutes, un quart d'heure. Par contre, je surveille les troupes histoire de vérifier s'il n'y en a pas un qui veut bouger et je les encourage à faire preuve du courage et de la dignité attendue de soldats de l'Empire, tout ça, blabla. Bah, vu que vous êtes tous les trois en première ligne, vous avez pu cadrer facilement les quelques... Vous avez un ou deux qui sont allés. Tu as ton petit compagnon, Utaku... Non, merde, je l'ai... Ah, désolé. Ouais, Utaku... Attends, je remets la photo. La touche sucre, si tu veux. Ouais, merci. Ouais. Utaku, qui justement, lui, a fait quelques pas vers la truc. Et puis, en gros, il a dit, moi, j'ai pas peur, j'y vais. Lors d'un troisième au secours, un peu plus... Ida Kyo-Sama voyait ça plutôt comme une délivrance. Après tout, il sera mort et libéré de sa bêtise. Donc je pense aussi. Donc je m'avance vers lui, je lui dis simplement Sama, pour lui montrer que j'ai du respect pour lui, je vais pas non plus voilà quoi. Hein. Si vous avancez au-delà, vous êtes un samouraï mort. Tu veux pas plutôt lui demander son Daisho avant qu'il y aille, histoire de pouvoir le ramener à sa famille? Non, s'il est pas là, il désobéit à nos ordres directs. S'il avance pas là, c'est un samouraï. Alors, vous faites un petit jet de regard contre regard. Vas-y. Donc tu vas me lancer... volonté, ouais, clairement. Moi, je connais son score, donc vas-y. Intimidation, peut-être ? Si tu veux, tu peux. Je prends quoi ? C'est intimidation, c'est quoi ? C'est intuition ou volonté ? Là, tu le fais sur de la... En fait, tu peux choisir le trait. Moi, je vais faire de la volonté avec intimidation. À moins que tu décides de dire ça, c'est mon bras. Et il va rencontrer ta gueule. Tu peux utiliser, du coup, ta force. Non, mais j'explique clairement, quoi. Je veux dire, s'il refuse d'obéir aux ordres, il sera abattu, c'est tout. Voilà, donc tu peux utiliser volonté plus intimidation. Bon, il sera puni, mais... Bon, il baisse les yeux et il retourne dans les rangs. Bon, t'en as 4-5 qui étaient à côté, qui ont tous baissé la tête, mais bien, hein, clairement, ils ont regardé leurs pieds. Voilà, donc du coup, ça c'était vers... Mais du coup, j'en profite pour expliquer aux troupes, ceci est notre ligne de défense que nous ne devons pas franchir. Un clan nous l'a personnellement interdit. Non, on passera cette ligne sur accord.
Et il faut savoir qu'Itakuyo-sama respecte toujours les clans. Le brouillard est de plus en plus épais, commence à monter. Là, le brouillard, il a atteint la première ligne. Vous voyez, hein, entre vous. Mais clairement, là, voilà, vous commencez à être dans le brouillard. Vous sentez cette sensation. Je vous fais pas faire à vous des jets de peur, mais vos troupes, voilà, il y en a quelques-uns qui ont les miquettes, mais ils tiennent parce que vous êtes tous collés. Mais clairement, voilà. Clairement, je vais, enfin, je vais essayer de les tenir, hein, de les encourager, quoi. Est-ce que la fumée sent quelque chose, le brouillard? Est-ce que ça a l'air d'être de la fumée faite main? C'est... Clairement, tu sais pas. Il y a une petite odeur boisée, évidemment, mais bon, ça vient de la forêt. C'est pas de la fumée, vraiment, mais... Ouais, mais si c'était de la fumée, ça aurait pas juste une odeur boisée, tu vois. C'est une fumée, même si elle est un peu trafiquée pour être un peu plus épaisse ou autre, ça sent le feu, quoi, enfin, un minimum. Ou l'humide, enfin, c'est pas comme du brouillard, quoi. Non, non, mais là, ça a l'air d'être du brouillard, mais assez épais. C'est genre le brouillard de film d'horreur. D'accord. Ok. Donc voilà, il y a quand même pas mal de vos troupes, certains flippent. Hein, Genre nuit et brouillard, quoi. Hein, ouais, nuit et brouillard, voilà. Donc du coup, il y a des petites flammes. Bah oui, vous avez quand même mis des torches pour vous éclairer dans votre ligne. Ça aussi, ça fait nuit et brouillard. Hein. Ouais, le feu dans le brouillard est presque plus améliorateur de l'effet invisible, enfin, l'effet d'aveuglement du brouillard qu'autre chose. Clairement, c'est-à-dire que vous voulez éteindre toutes les lumières dans votre camp? Ouais. Mais laisse ceux derrière, ceux qui sont sur la ligne de front, oui, mais on laisse ceux qui sont derrière, quoi. Ah, mais là, vous voyez pas à 5 mètres après, du coup, si ça continue. Après, c'est déguisé. Dans le brouillard, absolument. On voit pas plus loin de toute façon, mais le problème, c'est que le brouillard, avec les torches, en plus, ça fait des effets d'ombre qui peuvent inciter à une erreur, quoi. On est d'accord que le sol qui est devant nous, il est pas boisé? Pas du tout, non, c'est de la caillasse. On peut avancer un peu, hein, si... Alors, mais je pense vraiment que je vais essayer de faire quelques petits tas de pierres pour faire des pièges à con, si jamais il y a des déplacements là-dedans. En espérant que les enfoirés voient pas dans le brouillard, tu vois, pour une quelconque manip. Après, tu peux t'aider tout simplement, hein. Si les soldats veulent, pour leur passer le temps et pour leur passer les nerfs, tu leur dis, bah, vous avez le droit de jeter des cailloux au-delà du mur. Si ça tombe non, sur la moi tronche c'est... de quelqu'un, non, c'est qu'il y a quelqu'un. Le but c'est pas de jeter les cailloux, moi c'est de faire des petits. Merde, ça s'appelle comment? C'est les tacs que tu vois sur les bords des chemins et. Mais suffisamment bas pour que tu les vois pas trop et surtout, enfin, de toute façon, attendre les cailloux tomber quoi. Si quelqu'un venait à renverser un de ces tas. Soldat! Vous connaissez la chanson 13ème Légion. Nous avons passé les dernières semaines pour ce moment. N'ayez qu'un seul chemin. L'honneur. N'ayez qu'un objectif. La victoire. Aujourd'hui, vous combattez pour l'Empire. Vos aïeux vous observent. Nous n'allons pas les décevoir. Compris? Ils ont protégé l'Empire comme nous allons le faire aujourd'hui. La 13ème Légion est maintenant connue pour être la première au front. Et cela, personne ne vous l'enlèvera. Ni nos adversaires du jour, ni nos frères d'armes des autres légions. Personne. 13ème Légion, rendez-vous ce soir pour fêter notre entrée dans l'histoire. T'as un gros cri, ouais. Ça tape, ouais. Ça tape au sol. Voilà, t'as la petite groupe Ida qui a bien gueulé bien fort. Bon, les quelques, on va dire, grues que vous avez sont un peu, hein, c'est pas trop leur tradition. Discret. Voilà, plus discret. C'est genre, bon, on est en campagne, hein, c'est pas comme à la maison. Du coup, voilà, donc il y a un bon... On sent le côté, tu sais, fête de Noël, tout le monde est serré les uns contre les autres près du feu parce qu'on a peur de dehors. Alors du coup, on est tous, ouais, je suis content de pas être tout seul. Donc du coup, ça fait ton petit effet, quoi. C'est les Ikoma, les compteurs. Ouais. Oui. Ikoma Kaesama... Ça commence à scander ton nom. Ikoma Kaesama, on reconnaît pour bien se donner là, le talent d'orateur de la famille Ikoma. Félicitations. C'était ce compliment vous touche beaucoup, Shiba... Yasuhiro-sama. Yasuhiro-sama. Donc, ouais, pas loin. toute l'avant-garde est vraiment en admiration, crie vraiment Ikoma Kae,
dans l'idée. Vous entendez que ça recommence à répéter. Moi je demande qu'il crie 13ème Légion, hein, pas Ikomakae. Moi j'en ai rien à foutre. De moi, ouais, non, mais. T'as eu des Ikomakae, t'as eu de la 13ème Légion. Voilà, dans l'idée, mais ils sont très, très enthousiastes pour l'instant. Et vous voyez que donc, ça s'est propagé de votre de groupe. De plus en plus vers les autres groupes où il y a, on sent que ça redonnait du poil de la bête. Alors, Ikomakae-sama, une idée peut-être stupide mais venue. Je voudrais savoir si avec votre art de la guerre, enfin, quoi qu'avec mon art de la guerre aussi, hein, le joueur n'est pas certain que ce soit intelligent. Vous pourriez me corriger si je me trompais, mais est-ce qu'il serait intéressant de lancer quelques volets de flèches enflammées histoire de voir. Si des mouvements se font dans la brouillard. Ou en tout cas, peut-être de. Ça n'est pas inintéressant comme approche. Vous voyez un garde qui est. Enfin, un homme de la 13ème Légion qui approche vers vous. Shui-sama, je viens de la part de Doji Ito. Sama. Que dit-il ? Il me dit que le brouillard est tellement épais que les archers n'ont plus la capacité de pouvoir, on va dire, distinguer correctement le champ de bataille. L'avant-garde est totalement plongée dans le brouillard. Ok, il y a d'autres archers que moi à l'avant-garde ? Tout le monde a quelques-uns, oui. Tu peux avoir une trentaine de personnes avec un petit arc. Okay, bah, sinon tu peux demander à Doji Ito de revenir comprenne. Doji Ito il est derrière, c'est ça? Je vais te faire sur un les côtés, non, un peu. Ouais, il est le côté là où tu vois Shiba sur le plan. Il était plutôt, on va dire, une position légèrement relevée pour essayer d'avoir, on va dire, de pouvoir viser tout le champ de bataille en fait avec les archers qui commandaient. Et là, du coup, il a envoyé à la première ligne pour leur dire que le champ de bataille maintenant on voit tellement rien que. Soldat, message pour Doji Ito-sama, que lui et ses archers tirent des flèches sur les hauteurs autour du chemin, afin de voir si des mouvements... Voilà, et c'est Hidekage qui s'occupe du chemin pour assurer votre... les hauteurs autour du chemin. D'accord. Et moi je proposerais qu'il quitte sa position, hein, qu'il revienne au centre de... Qu'il rejoigne l'armée. Ouais, bah oui, c'est une bonne idée. D'abord, ils tirent leurs flèches, puis après, ils nous rejoignent. D'accord. Il est bientôt minuit. Moi, de mon côté, je donne à la trentaine de gars, on lance une ou deux volées de flèches vers l'avant, histoire de voir... on essaie de tirer à différentes distances, histoire d'éclairer un petit peu le champ de bataille, c'est histoire d'éclairer un peu ce qu'il y a devant nous, quoi. Vous voyez qu'il y a toujours des flammes qui sembleraient, hein, des flammes apparaître un peu partout, dans l'idée. Voilà. Et à un moment, vous entendez une voix, et du bruit surtout, d'abord du bruit, comme ça. Qui court vers le campement. Et action. Et vous entendez une voix qui dit « Au secours, au secours !» On garde. Mais celle-là, vous avez l'impression que c'est Shotai. Alors pour moi, la première chose que je dis, c'est « En garde !» Ils se mettent tous en garde. Vous entendez même des soldats qui crient « 13ème !» Ils commencent à tous se dégainer leur katana. Après, au fait, là les bruits on les entend bien, hein. Ching 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 ching. Par contre, ça a l'air d'être assez lourd comme pas, comme si c'était peut-être un golem ou un truc assez fort dans l'idée. Alors attends, si je comprends bien la scène, on entend un seul bruit de pas ou on en entend plusieurs? Un seul bruit de pas, mais assez lourd. Vraiment, c'est-à-dire que ça. Et qui fait une petite voix de jeune fille comme Shotai, c'est ça? Voilà. Shotai, c'est pas une jeune fille. Oui, il est plutôt âgé. Bah, je sais pas, mais le MJ a fait quand même une voix qui était plutôt, plutôt légère, quoi. Hein, donc, T'es une voix Rokugani. Ouais. Ouais. Tout le Rokugani. Alors, Dixit Ikomakae, qui est une jeune femme, mais bon. Pas, hein. Pas du crabe, hein. Non, mais du coup, ouais, je. En garde. Même, je dirais, je demande à ce que la première ligne se mette en centre, en fait.
Ok. Bon, bah, ils le font. Hein. Moi aussi, je me mets en centre pour me préparer au cas ce qui arrive. Quand t'es en centre, tu peux parler ? Pas vraiment. Non, t'es en concentration. Tu fermes les yeux, tu fais un avec l'unité. T'as droit à une action gratuite quand même de parler. Donc, ouais, mais ça dépend quelle classe. Les Kakita, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais la plupart, en fait, en général, tu te concentres. Tu vois. Soit tu fermes les yeux, soit tu les fermes pas. Ouais, tu peux envoyer un petit message, une action gratuite, mais très courte. Oui, c'est ça, c'est trop beau, quoi. Ouais. Moi, je vais poser un seul mot, tu vois, Shotai. Donc, vous voyez, vous voyez, vous entendez du bruit qui approche, qui approche, qui approche. Donc, voilà, au secours, donc tu cries très fort pour dire Shotai. Pas assez fort pour que la voix, si elle est suffisamment loin, m'entende, mais... En plus, je suis un peu au milieu, donc si c'est quelque chose de gros qui bah, va avancer, et se retrouver... moi je veux me positionner en face de l'arrivée de la voix, quoi. Clairement. Bah, c'est pareil. Histoire d'être sûr que voilà que ce combat là et puis et quand. Ah, peut-être une mission pour Utaku Teru. On a qu'un envoyé en éclaireur. Tu veux vraiment le faire buter en fait. Du coup, est-ce que vous essayez de parler à... Non, bah, pas du tout. C'est une mission des plus honorables. Non, moi, je me contente juste d'appeler Shotai. Mais avec une voix forte, mais pas genre Shotai. Ce serait plutôt Shotai. Enfin, genre, voir quelle est la. Et là, tu entends Shiba-sama, au secours. Au secours. Samurai-sama, au secours, aidez-moi. Aidez-nous. Aidez-nous. Et toujours en essayant de s'approcher. Du coup, j'ai pris Utaku avec moi et puis je vais y aller, quoi. Ah, tu fais quelques pas. Ça dégarnit pas le front. Non, tu fais quelques pas, puis en fait, il tombe sur vous et tu le vois qui porte à bout de bras, enfin sur le dos, etc. Togashi, hein, qui est quand même pas mal blessé, qui dit on nous poursuit, au secours. Ah, tu vois que là, Shota, il est complètement crevé. Hein, il est un peu plus, il tient Togashi. Je prends le Togashi sur moi, quoi. Voilà, donc tu vois qu'il a été salement blessé. Et du coup, tu vois qu'il n'en peut plus et qu'il a l'air d'avoir peur dans les yeux et qui essaie de. Là, du coup, il court, hein, enfin, il rampe et après. Il... Non, il court pas, il reste près de moi parce que. Voilà, mais. Vous pouvez tirer des informations genre qui vous poursuit, combien sont-ils. Des débords, des choses affreuses, des êtres qui sont sortis de cette ruine et qui ont commencé à avancer, qui attaquaient, quoi, attaquaient plein de gens et qui maintenant nous poursuivent. Ben voilà, donc en gros il disait ça de façon. Mais tu sens qu'il veut avancer, hein, comme s'il avait peur de quelque chose qui allait venir de la forêt. Ah oui, non, mais j'avance avec lui, il n'y a pas de souci. Et là vous commencez à entendre des bruits, des pièces justement qui font ching ching, mais cette fois-ci vous en entendez plusieurs, comme s'il y avait plus de groupes. Voilà, donc là, c'est le moment c'est parti. De balancer les torches. Ou je repasse le mur vite fait avec Togashi et puis Utaku et puis le Shotai. Ouais, moi j'essaye d'identifier les zones où il y a peut-être les pas les plus lourds, etc. Histoire d'aller me friter, d'aller me battre face à des mecs qui soient, on va dire, peut-être soit très nombreux, soit balèzes, quoi. Dans l'idée, c'est ça. C'est une rangée. Ok. Eh ben, centre. Je me mets en centre dans la ligne et puis on va les accueillir comme il faut. Hein. Alors, vous avez balancé quelques flèches dans l'eau, c'est ça, hein, pour voir un petit peu si c'était possible. Oui. C'est pour faire pour qu'on les voit y arriver, en fait, tout simplement, quoi. Alors, dans le brouillard, vous voyez des fois des ombres passer, et clairement, hein, ça a l'air de samouraï mort-vivant, un truc comme ça. Clairement, ça, c'est. Ah ouais, c'est. Au niveau de la gueule. On avait dit que c'était arrêté interdite. Oui. Est-ce qu'ils ont des uniformes phénix? Là, tu les distingues pas encore. Des kimono. Je note que Togashi va avoir quelques. Mais c'est possible, ça peut être du rouge, ça peut être du phénix, ça peut être. C'est bizarre. Ça peut être aussi des uniformes un peu noirs, enfin c'est. Ouais, bah on va voir. Alors. En même temps, avec le brouillard, c'est toujours facile. Oh, tous les samouraïs sont gris dans le brouillard. La nuit aussi en général.
Du coup, moi, je confie Togashi Sento au bon soin de Otaku. Je lui dis de trouver tout de suite, enfin, de l'amener le plus rapidement possible auprès d'un shogun de soigneur. On a des shogun de soigneur. Il le ramène à l'arrière, oui, mais vous en avez pas. Pas nous, mais il y en a la légion, enfin l'armée. Du coup, vous la surprise. Il y a Shotai qui l'accompagne, du coup. Bah, on n'a pas, on n'a pas la meuf de Doji. Non, elle fait partie de la 13e. Non, elle fait pas partie de la 13e. Bah voilà, Nana, elle passe son temps à coller la 13e, sauf quand la 13e a besoin d'elle, quoi. Ah, c'est... En fait, c'est moi qui avais demandé à ce qu'elle vienne, hein, mais... Enfin, fois. C'est bien ce que je dis, useless. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Bon, l'avantage, c'est qu'on est ensemble et qu'on attend qu'ils arrivent. Donc là, on a un peu l'avantage au moment de l'assaut. Ah bah oui, clairement. Clairement. Je suis totalement confiant ou bien... Tu commences un petit peu à te réveiller. J'émerge. Ouais, tu émerges. En fait, tu t'es émergé un petit peu avant. Mais je veux pas prendre trop de temps, mais je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Et bon, je vais te le dire là, maintenant ce sera plus rapide. En gros, t'as été enfermé dedans, t'as vu des feux, les gens ont parlé, mais t'étais dans le coltard et un peu le brouillard. Et puis, t'as entendu des bruits de bataille, de feu. T'as Shota qui est débarqué en mode panique et qui a enlevé un peu, coupé tes liens, enfin tu vois, qui voilà, et qui t'a pris sur son dos et qui t'a sorti le plus vite possible à ce moment-là. Alors, je veux pas foutre la merde, hein, mais on a jamais vu le grand méchant et Shotai en même temps ensemble. Ah, je vous jure. Ah, mec, vous sauve la vie tout de suite. C'est conspirationniste, en fait. Ouais, non, mais clairement. Ouais, je te jure. Bah, oui et non. Alors, moi, ce que je sais, c'est que Shotai t'a emmené jusqu'au camp des ennemis, genre easy peasy sans problème, en t'épargnant tous les pièges. Sauf un où il a mystérieusement disparu et tout d'un coup, tu t'es fait agresser par un ennemi qui était un gros balèze qui t'a défoncé ta race. Et comme par hasard, au moment où le gros balèze disparaît parce qu'il y a un combat un peu plus loin, Shotai réapparaît, te sauve et t'emmène à l'abri au camp. Enfin, là où se trouve l'armée. Ah, je dis pas que c'est lui. Genre, je dirais pas qu'il s'appelle Clark Kent, mais quand même, hein, il y a un truc louche. Ouais. Tu vois vraiment des trucs louches partout. Ouais. Ou alors il est tombé amoureux d'un petit cul. De toute façon, il y a tout pour que ce soit extrêmement louche, mais aussi il y a tout pour que ce soit un gars totalement innocent. C'est un moine, comment voulez-vous qu'un moine soit méchant? Son gros souci en fait, intérieur. T'as déjà entendu parler de l'Inquisition? Il a un honneur très très bas. C'est ça son problème en fait. Ouais, ce qui en règle générale n'est pas vraiment l'apanage des gens qui sont parfaitement dignes de confiance. Du coup. Ah, les moines ont un honneur qui est pas forcément très haut, mais. Il n'est pas non plus censé être 1,5. Mais bon. Surtout que lui, il est à moins de 1,5. C'est juste ça. Ouais, en fait... C'est ça qui bouge, surtout. C'est un ronin qui se balade en tunique de moine, quoi. Ça pourrait être ça, t'as une idée, ouais. Donc... Vous prenez conscience que c'est une telle purée de poids que Hidekage ne va pas pouvoir commander les troupes. En gros, c'est plutôt chacun en fait se commande, on va dire, son groupe. Donc en gros, vous êtes la première ligne, donc celle qui fait le tout, avec la compagnie de J. En fait, c'est l'un d'entre vous ou à plusieurs, plutôt l'un d'entre vous qui allait commander en fait parce que il est avec la purée de poids, vous ne pouvez pas en fait commander une armée sur une plus grande distance. J'ai déjà discuté avec Ida pour arranger ça. Ok. Donc, soyons honnêtes, on n'a jamais vraiment compté sur Hidekage pour diriger le combat. C'est clair. Ouais, je veux pas manquer de respect envers mon supérieur. Hein, c'est qu'on a envie de survivre quand même. Hein. Mais quand même. Parce que lui, il est avec nous là, il est quelque part dans le. Derrière. Il est juste il est pas très loin. Tu marches 5 minutes, 5-10 minutes, tu devrais le retrouver. Il est au numéro 5. Et au lieu d'inventer un paratonnerre, il aurait pas pu inventer un ventilateur, cet enculé là, pour chasser le brouillard, non? Mais tu l'aurais traité de gaijin, tu l'aurais traité de tous les mots s'il avait créé ça. Bah oui, mais bon, ça aurait été utile quand même. Ouais, ou des lunettes de vision nocturne, hein. Moi je suis pas contre non plus, hein, personnellement. Hein. Alors, je veux savoir qui c'est qui fait le jet de général, du coup. La meuf. Il semblerait que ce soit moi. Ok, donc tu vas me faire un jet de art de la guerre, command mass, perception.
À ça, tu vas rajouter un plus 5 parce que vous êtes dans une position déjà légèrement supérieure à ce que vous êtes en montée, et un plus 5 à cause des fortifications que vous avez faites puisque vous attendez le choc, c'est ça hein? Ouais, bah oui, clairement. Ouais. Ça fait plus 10 alors quoi. Voilà, t'as un plus 10. Ah ouais, tu fais un vrai combat de masse en fait. Ah bah, c'est un petit combat de masse parce que là du coup c'est. Non, mais ok. Je pensais pas que tu disais ces règles là, mais ok. Ah, bravo, je fais pas le lot parce qu'il est voilà quoi. Mais du coup vous allez faire, enfin c'est un semi hein, combat de masse. Du coup ouais, clairement vous prenez l'ascendance sur cette ligne qui vous attaque, donc ça a l'air d'être de samouraïs mort-vivants. Vous êtes au contact, ouais, clairement certains ont des uniformes du clan du Phénix. Mais récent ou pas? C'est ça la question. Je pense. Ouais. Certains ont l'air récents, d'autres un peu peut-être. Ouais, un peu, je dirais pas souillé, mais parfois un peu vieilli. D'autres un peu moins vieilli, ça dépend des endroits. Les récents, ils auraient pas aussi le mode de la de je sais pas quelle légion dont ils ont disparu? Non. Non. Donc du coup, vous battez. Donc vous allez me faire un petit jet pour savoir comment vous faites votre fight. Calmement, posément et... Voilà, donc alors, vous allez du coup me faire... Alors je te rappelle le dernier combat de masse que t'as fait, Chouba, hein? Oui, mais mon perso actuel n'a pas les tendances suicidéro-altruistes du précédent. Donc coup... tous les trois, vous allez lancer un dé, vous ajoutez votre anneau et la compétence d'art de la guerre. Votre anneau d'eau? D'eau, ouais. Ouais, haut. Donc, c'est en entier, hein, art de la guerre et haut. Alors, du coup, si je... J'ai 13. Ok. Ah merde, excusez-moi. Non, j'ai... Alors, 13 en première ligne. Donc attention, c'est... t'es marqué Obi-Wan. Première ligne. Plus honneur, c'est ça? Non, plus art de la guerre. Plus art de la guerre. Ah. Alors, quand j'ai les dés. Ça fait. Alors, du coup, je dis vos positions. Mais position, c'est parce que ça lance première ligne. Ouais, première ligne en gagné. Du coup, tu as fait 13, Obi, tu as 2 points de blessure, 0 points de clair, mais tu as un duel. Ah! Attends, t'as fait combien? 13? 13, non, c'est juste 1 point de blessure, 1 point de gloire. Mais je t'accorde le duel. Je prends. Donc, un dé de blessure, je vais le faire, et 1 point de gloire. Tu prends un point de gloire. Et tu as pris 7 points de blessure de la bataille. On va faire le duel après. Ensuite, Ida. Donc, Ida, 15. Pareil, un dé de blessure, 1 point de gloire. Pas de duel, du coup, pour toi. Mais seulement 1 point de blessure. Un dé de blessure, pardon. Et, attends, je vais top. Vous pensez à... Oh putain, génial. Et tu retires, évidemment. Et du coup, 1 point de gloire. Et du coup, Shiba, tu as fait 9. Toujours en première ligne. 9, tu as un duel. Ah si, Ida, tu avais un duel aussi. Ah, je me suis trompé de ligne en fait. Ouh, je me suis trompé de ligne au niveau des blessures aussi. Oh, enfin, c'est pas grave, vous avez de la chance. Donc, sauf Shiba, parce que du coup, je me suis pas trompé, tu vas avoir 3 des blessures, un point de gloire et un duel. Vous avez tous les 3 des duels. Voilà. Et allez, je t'enlève un des blessures comme les autres, du coup, t'en prends que 2. Hop. Voilà, oh putain. Ah la vache, je suis désolé. Ouais. Alors, le pire, c'est que j'ai enlevé un dé en plus. J'ai une question, les blessures qu'on avait d'avant, elles ont guéri? Avant de cette journée-là, oui. On était à zéro du coup. Oui, vous avez eu le temps de vous soigner au camp et tout. Ok. Je suis pas bâtard comme MJ. On avait pris des blessures avant? Ah bon? Non, mais lui, tu sais quand il s'est fait attaquer par des moines dans la forêt? Ouais, mais après voilà. J'étais pas dans la forêt, j'étais avec eux. Bah, t'étais à peu près au même endroit en fait. Hein. C'est ça. Et du coup, je remercie le fait d'avoir pensé à prendre mon armure. Au combat sans armure. Oui. C'est un peu con. Mon armure lourde.
dernière fois je l'avais dit. Je m'en rappelle. Ah, t'as une armure lourde maintenant? Ah ouais, fait... Dojim l'a offerte. Ouais, il se l'est fait payer. Ce que j'ai trouvé extrêmement louche, et ce qui fait que, du coup... Elle est normale? Oui, elle est pas magique. Ouais. Et... Du coup, t'as un malus à ton jet d'initiative de 5 et à tout tes jets d'agilité de 5. Hein. C'est bon à savoir. Enfin, tous les jets basés sur le réflexe et tous les jets sur l'agilité, t'as un malus à moins de moins 5. Hein. Ok, du coup, ça fight. Vous avez du coup un duel contre, on va dire, quelqu'un qui avait l'air un peu plus puissant que les 2-3 autres que vous êtes frités pendant la bataille. Ok, allez-y. Ouais. Bah, qui tu veux commencer, parce que fais le un après l'un, enfin l'un après les autres. Alors, ouais, y a pas de soucis. Hein. Bah, non, je tu commence. Galérer, hein. Ouais, on commence par en haut. Hein. Ouais, ah oui, on commence par comme... Ikoma. Voilà. Pourquoi par en haut, pourquoi Ikoma? Ouais, des légers de blessures. C'est le premier jeu qui a été fait. Voilà. Du coup, Ikoma Kai, vas-y, fais initiative. Je ouais. fais la mienne. Oh, ça va, c'est pas trop dégueulasse. Waouh. Bon, bon. Attends, faut juste que je regarde. Faites tous les trois votre initiative hein, pendant ce temps. Je regarde juste un truc. T'as acheté 3 en réflexe? Oui. 2 ça faisait quand même un peu juste. Ok, c'est bon, ça change rien. Alors, du coup... Oh, joli. Alors, je lance le premier. Hein. Alors, hop. Donc... Shiba va faire si, hein. Pour dénoncer. Hop. Ah merde, je parlais dans le vide. Ils ont tous 24, je ne vais pas me faire chier. Du coup, c'est à toi, Ikoma, vous avez tous l'initiative devant. Donc vas-y Ikoma, on va faire ton combat. Ok. Est-ce que tu non, fais... Moi, j'ai pas d'init. Ah non, pas toi Shiba. C'est vrai. Lol. Désolé Shiba. Du coup, est-ce que tu fais la règle de décapitation ou pas? Oui. Donc oui, clairement oui. Ok, bah du coup, katana et puis décapitation. 3 augmentations. Pour le pépère. Il faut faire un certain nombre de dégâts, mais oui. Ouais. Nanana. Comme j'étais en centre. Peut-être qu'on est sorti du centre, remarque, non? Oui, vous l'avez. Allez, je vous fais cadeau du centre. Allez-y, c'est cadeau. Ils ont tous des armures lourdes, vos trois que vous combattez. Ouais. C'est plus ingénieur, c'est ça, hein, le centre? Ouais. Eh ben, c'est parti. Donc, vous les touchez sur un. Ils ont une armure lourde. Ouais, sur un 30. Je me mets en assaut. Ah, attends. 30, ouais, c'est ça, c'est un 30. Hein. Ouais. Vas-y, en assaut. Du coup, je prends 3 augmentations pour la décapitation. Ok, après, il faut avoir ça aux dégâts. Donc, tu touches sur 45. Ça passe. 45, ça passe, du coup. Et maintenant, les dégâts. Okay. Alors, je vais dépenser un point de vie de dommage. Si tu me fais. Alors, s'il prend 20 points de dégâts purs, c'est-à-dire en enlevant l'armure, tu l'as décapité. Ok? Ça marche. Ça va. Plush. Bon, bref, tu l'as décapité. Hein. Mais bien, vache, avec du sang partout. Ok, du coup, Aïda. Vas-y, t'as l'initiative. Ah, Ida, c'est jeter de Tsubo et on joue au hockey, quoi. Donc, bah vas-y, fais-toi plaisir. Hein, je fais un assaut plus rage, en plus la rage de Berserk. Hein. T'es mis en Berserker? Oui, c'est quand même des, okay. des 7 bestioles qu'on a en face de nous. Ouais, vas-y. Ouais, donc du coup, je vais prendre 4 augmentations si c'est possible. Pour, non, 3 pour les dégâts. Excuse-moi.
Alors, tu vises une décapitation ou tu tapes? Non, juste pour augmenter les dégâts. Ah, augmenter les dégâts. Donc, tu peux prendre 4 c'est avec Bichamon, oui, c'est pas possible. Oui. Donc, c'est du 30 hein, pour toucher. Alors, donc, du coup, 4, ça te fait combien? Donc, 10, 10, 20, donc 30, 40, 50. Ah, oh, c'est bon. Ça passe, fais les dégâts. Il a moins 6 d'armure, pour encaisser. Et il a une armure lourde, hein. Du coup, il a une réduction de base. C'est combien déjà une armure lourde? C'est moins 10, non? C'est moins 5. Moins 5. Donc, du coup, il l'a pas, ok. Donc là, c'est les dégâts. Ouf. Il est en train de tu l'as écrabousé l'armure, il y a du sang partout et c'est en train d'agoniser salement en te regardant dans les yeux. Voilà, il pourra pas agir. Voilà. Allez, on va attaquer le petit Shiba. J'adore t'attaquer. Donc évidemment, hein, t'entends des petits bruits genre des choses comme ça, hein, c'est dégueulasse mais bon. Bien, mais c'est pas top. Du coup, le ND... Ouais. ND d'armure, c'est du 30. Ben, ouais. Pour toi, c'est du combien? Bah, mon armure, elle donne 10 de ND. Et le ND qu'il y a marqué, c'est 24. J'ai un plus 4 de ND grâce à mon ancêtre Shiba ou un truc comme ça. Oui. Bah, lui, il a fait 21 pour toucher. Bon, bah, du coup, il t'a raté. Donc, il a qu'une action. Donc, à toi. Ah, vivement, j'ai deux attaques. Écoute, du coup, moi, je vais faire comme mes petits camarades. Donc, le vide, le fait qu'on soit en centre, ça nous fait un G1, c'est ça? Ouais, t'as un G1 que tu peux balancer en plus où tu veux. Tant qu'il soit compté avec le point de vide. C'est dommage, un jet d'attaque, ça peut pas être un jet de dégâts, je crois. Ah oui, c'est ça. Pardon ? On peut pas le mettre au dommage. Oui, je suis d'accord. Mais du coup, pour faciliter la décapitation, vaut mieux mettre les deux points d'augmentation. Enfin, il faut mettre les deux points de vide sur les dégâts, c'est ça ? Comme ça, moi, je suis sûr de faire plein de dégâts. Ouais. C'est ça que tu conseilles ? Ah oui, c'est clair qu'avec deux points de vie, dommage, tu vas le décapiter. Ouais. Mais, parce que j'ai 10 G5 par défaut, donc 10 G5, normalement, je peux faire les 3 augmentations pour décapiter. N'oublie pas que t'as moins 5. Hein. Oui, t'as un moins... Moi, je te considérerais plus t'es en assaut, si tu veux. Tu te mets en assaut, ça te fait du 10 G6, G7. 10 G7 plus... tu devrais y arriver. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Attends. Si tu te mets en assaut, tu passes en combien pour être touché? Parce que il aurait fallu que tu déclares avant, sinon. Ah, c'est vrai, effectivement. Donc tu peux plus le faire. Je veux bien te l'accorder, mais si tu passes en dessous de 21 pour être touché, il t'a touché. Non, je vais prendre un point de vide à l'attaque et un point de vide aux dégâts. Et puis, tu peux pas. Je peux pas. Oui. Non. Non, tu dépenses 2 points, c'est tout. Tu peux dépenser 2 points d'un bloc ou 1 point d'un bloc, mais tu peux dépenser qu'un point de vide dans l'ensemble du tour de combat. Qu'une dépense de... Voilà, c'est juste que toi, tu peux en dépenser 2 à la place d'un, c'est tout, au même endroit. Du coup, pour les dégâts, ça fait vachement plus fort. Ouais, mais j'ai 10 G5 moins 10, là, du coup, avec les malus d'armure, c'est ça, et le malus de dégâts moins 8. Tu le touches sur un 30. Ouais, c'est chaud pour que tu prennes 3 augmentations. Bon, non, mais je fais une attaque normale et je mets mes 2 points de vide aux dégâts et puis je décapite pas, mais ça va lui faire un gros truc de dégâts dans la gueule quand même, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Je peux espérer que ça passe. Garde-en après, par contre, si tu mets des dommages pour encaisser, quoi. Bah, il m'en restera 2. Contre que tu peux en récupérer 2 parce que je pense qu'il y en a pas mal qui vont en claquer autour de toi là. Il y en a pas qui ont été claqués là déjà. Non, pas moi. Bref, donc 10G5-8. Enfin, 6 mois 50. Pour le point vide. Mais, Putain! Bah voilà! J'aurais pu prendre les 3 augmentations! Ouais, facile! Oh, je suis deg! Et là, tu vas faire un jet de merde au dommage, voilà!
Ouais, comme d'hab, quoi. 7G2 plus 2 augmentations, donc ça fait 2 fois 1G1, c'est ça? Enfin, pas 2 augmentations, 2 points de vide. Donc ça fait 2G2. Donc ça fait 9G4. 37. Oh, c'est pas si pire. Moins 5, il prend quand même 30 points de dégâts, donc il a mal, mais il tient encore. Donc, prochain tour, vas-y, non, à toi. Moins 5, ça applique aussi aux dégâts? Non, il a une armure. Il a une armure. Ah oui. Il va frapper. 2 points de dégâts. Bah, ouais. Ouh, il t'a touché. Oh, l'enculé. Tu rigoles, ouais. Je passe juste en dessous, là. Oh, ce jet de porc, quoi. Ah ouais, tu vas l'aimer, 51, je crois. Ah ouais, grave. Ça tombe bien, il me reste 2 points de vide. Ouais. Bon, après, là, lui, il veut pas prendre d'augmentation, hein, donc. Voilà, il t'a fait 34 points de dégâts. Il pique quand même. Ok, donc ça fait 29. Voilà, moins l'armure. C'est du bah, G4 en dommage, putain. Ah. Avec quoi? T'expliquerai après. Bon. Ok, je crame mes 2 points de vide pour ne prendre que 9 de dégâts. Tu peux pas. Ah si, tu peux là, c'est un nouveau tour, ouais. Vas-y. Ah oui. Ah oh, le MJ, il essaie de me pourrir la gueule, quoi. Et du coup, tu peux dépenser. Comme tu peux dépenser 2 points de vide, tu peux retirer 20 points d'un coup. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ah, ok. Juste en armure, j'en avais encore 5. Ouais. Oui. Bah, il me reste 9 points de dégâts, quoi. Ouais, bah c'est ça, excuse-moi. Bon, bah... Attaque. 36 de dégâts, ça touche. Ah oui, bah, 36 de touche. Ouais. T'as enlevé le moins 5 pour toucher? Non, 31. Bah ça passe, c'est sur du 30. J'aime. Du coup, ta force plus ton katana, donc 3G2 plus ta force. 7G2. Dégâts, c'est katana, c'est 7G2 a priori. Ouais, c'est ça. Blabla. 32 ha. Donc, moi. Ha. Ok, donc là, il a de sérieux malus. Ouais, il va me ressortir à 75. Ah, t'as récupéré un point de vide sur son jet de dommage. T'as 3 points. T'as fait 3-10. Oui. T'as filé. En même temps. Sur mes dégâts? Non, oh, il y en a que deux. Non, t'en as trois, ton 13, qui a pas été gardé. Il t'a raté pour le dernier G. Ouais, ça me rassure, il peut pas faire que des 51. Attends voir. Ah, il a des malus, hein. Ah, mais moi aussi j'en ai des malus. Ah, techniquement, si c'est un zombie, il en a pas. Hein. Ça craint pas la douleur, hein, les zombies. Enfin, les vrais. Ouais. Ah, mais mon coup il aurait pas dû passer en fait. Je me suis trompé. J'ai oublié d'augmenter mes dégâts. Oh, je suis dans la merde! Bah, continue, tu l'as déjà fait, c'est pas mal. Ah là, un coup il meurt. Non, là ça passe. Ah, ça passe pas. Ah, t'inquiète pas, hein, t'es pas. Donc, continue le combat. Pas encore. Voilà, là, vu ton malus, ça va faire un combat d'yeil, hein. À mon avis, ouais. Si tu tentes pas un assaut, tu n'arriveras pas. Allez, il tente un assaut lui aussi, du coup. Je vais avoir mal. Ouais, tant pis, je tente un assaut. J'ai pas le choix. Quoique, si je peux ne pas tenter un assaut, vu qu'il fait un assaut. Ouais, normalement, c'est limite une carte qu'il faut retourner en même temps, en fait, donc... Ouais. Ah, oh, ça passe ou pas, 35? T'as un assaut? Bah oui, ça passe. Assaut, oui. Même ça, non? Ouais. Du coup, non, sans assaut, si, sans assaut, c'est poil de cul. Pile poil. Donc de toute façon, ça passe. Mais il te reste un point de vide. Donc, tu peux encore en enlever 10. Ah, il dépense du point de vide, du coup, tu en gagnes aussi. Ouais, Il en a cramé combien? Oh, il va te violer. Je prends donc 4 points de dégâts et je n'ai plus qu'un point de vide. Ah, j'ai mal. Aïe. C'est bien de partager ta peine avec Togashi. Oh là là, j'ai pas changé de niveau, je suis resté au même niveau de dégâts. C'est beau.
Par contre, je prends ne serait-ce qu'un point, je passe à plus 15 en malus. Ah, mais là, il suffit que tu le touches et il est mort. Ouais, c'est ça. Donc, il a, de toute façon, il a 20. Ah ouais, non, mais de toute façon, là, tu le touches sur un moins 10, ah ouais, ça passe. Voilà, nickel. Ça passait quoi qu'il arrive. Ok, bon, bah, c'est G2, hein. Tu sais que t'as les 1 que tu peux relancer si tu fais un S aussi, hein. Ouais, je pensais avoir fait un S. Ouais. Bon, non, bah, je crois pire. Bah, ça passe, donc fais les dégâts. 17! Ouais! Dis-moi qu'il commence à avoir au-delà du malus, qu'il est pas trop loin d'incapacité. Merde. Donc tu l'as transpercé, il y a plein de sang qui coule, il te regarde de façon patibulaire, hein, puisque c'est un regard plutôt vide, et qu'il y a du sang qui gicle de la bouche en essayant de te faire des blablabla, voilà. Du coup, Ida, tu me refais un petit jet de bataille. Et donc Shiba et Ikoma, vous faites un jet de perception pure. Ah, j'ai oublié un jet au dommage. C'est dommage. C'est dommage. Ouais. Alors. Ça passe. Et du coup, on va enlever le. Tu ferais combien avec ton honneur, Ikoma? Bah, 21. En deux. D'accord. Ok, donc Shiba, bon, toi, avec t'as du sang sur la gueule, etc., tu commences un peu à... Je vais peut-être reculer en dehors du... Et point, t'as demandé un jet de perception, on est d'accord, hein? Oui, un jet de perception pure. D'accord. Du coup, vous me faites... Shiba, tu veux, pour le prochain tour de bataille, toi, tu veux reculer, on est d'accord? Non, je vais me mettre en assaut à l'avant, évidemment. Je sais pas, non, mais Ikoma, elle reculerait pas. Non, c'est pour savoir. C'est juste, je suis à moins 15 sur tous mes jets d'attaque, je pense que je vais reculer. Ok, donc du coup, tu passes dans une position. Surtout les mecs qui t'arrachent 30 points d'attaque, 30 points de vie par attaque. Alors, Ida, ah, tu. Ça fait mal. Ouais. Ida, donc tu continues, tu fais un jet de. Je te le dis déjà, 47. Ah non, pas le jet de combat, le jet de dos plus 1 des 10 plus haut plus art de la guerre. Et oui, du coup, fait, pareil pour 47. Toi, Ikoma. Quoi, t'as fait 40? Non, ça c'est le jet de combat. C'est pas le jet pur. C'est 1 des 10. 1 des 10. Là, ça c'était le jet pour dire que vous êtes gagnant. Ah, ok, autant pour moi. Ouais. Ouh, maximum. Que je peux faire. Je sais pas si le 10 se relance en fait, mais voilà. Oui, il se relance. Ah ouais? Pas trop bien. Ouais, bah oui. Eh ben, je fais 22. Ok. Alors, vous êtes en première ligne, vous gagnez. Alors, Ida, tu as fait 12. Donc, première ligne. Opportunité héroïque. Dedans, je crois, non? Ouais, opportunité héroïque, ah, 0 j'ai point pas de quoi. En fait, c'est pour ça. Bah, t'avais gagné un point de quoi. Ah, moi, ah, oui, non, non, tu comptes pas l'honneur. C'est pas l'honneur. Tu ajoutes en fait ton eau et ton art de la guerre. Ouais, c'est ça, ouais, ok, c'est bon. Ouais. Okay. Donc là, tu vas prendre 3 points de blessure, tu vas avoir une opportunité héroïque. Combien? 3 points de blessure, c'est ça? Ouais, 3 dés de blessure, je vais te les lancer après. Ok. Et pour toi, donc, Ida, tu as fait 22, tu m'as dit? Ouais. Alors, 22, 1 dés de blessure, 2 points de quart et une opportunité héroïque. Alors, je fais les points de blessure. Alors, donc 14 pour vous retirer l'armure, hein, et 7 pour Ikoma, donc 14 et 7. Alors, l'opportunité héroïque, alors, ah, je vais faire simple, seul contre tous, là il y a du brouillard. Hein. Je me rappelle pas, moi. Non, tu es un peu dans le coltard encore. Tu pourras pas participer à la bataille, si c'est la question. D'accord. Tu vas voir Shiba arriver à côté de toi, près des blessés. du coup, vous, Ida, vous apercevez un de vos alliés. Donc, tu sais qui c'est. Je vais te le dire après. Okay. Non, pas Shiba. Un de vos alliés chargé au cœur de la bataille. Si personne ne vient à son aide, son sort sera bientôt scellé. C'est le licorne. Ouais, c'est le licorne.
Jouez cette opportunité théorique comme une escarmouche menée contre 3 à 6 samouraïs ayant un rang de moins que le personnage, rang 1 minimum. Si l'allié s'en sort, le personnage gagne 3 points de garde et peut gagner l'avantage de relation. Mais ça, c'est discrétion du MJ. Donc, il faut qu'il se joue, quoi. Ouais, non, mais pas, voilà, mais je considère que voilà. Donc, du coup, il va y avoir 3 personnes. Et t'as décidé de charger, donc t'as quitté un peu tes lignes, donc tu pourras pas faire un autre jet général parce que là tu seras tout seul avec lui. Mais du coup, tu vas le friter contre 3 mecs dans l'idée. Ok ? Et toi, tu vas avoir. Ikoma. Secourir un adversaire blessé, bon, je pense pas trop, hein. Ça a l'air d'être un mort vivant. Ouais, non ! Je vais pas le ramener, hein. Tu veux ramener un mort-vivant de baver. Je trouve ça après, extrêmement louche pas. Ta volonté de ramener à la vie un mort-vivant. Bah sinon tu perds tes cheveux. Tu peux me faire un jet, me faire faire un jet. Moi en général je le faisais sur un jet. Hein. C'est un D21 je crois parce qu'il y a 21 possibilités. Ouais attends un peu. Ah mais j'en cherchais une qui serait un peu intéressante. Non. Et puis pour toi aussi. Le général ennemi se rend, qu'est-ce que vous faites? Ah bah ça va! Parce que j'ai pas envie d'un duel. Alors, pop. Alors, ça serait fort, mais non. Ah bah voilà. Briser les lignes ennemies. Le personnage, donc vous recevez l'ordre, bon, tu te l'es auto-donné, on va dire, de charger les premières lignes ennemies. Le personnage doit affronter 2 à 4 samouraïs de rang 2. S'il souhaite s'en prendre aux premières lignes adverses, il se retrouve bien évidemment en première ligne autour du bataille. Réduisez son jet de 2 points, vous ajoutez 3 points à son jet de la guerre, à son général, le personnage gagne 3 points de guerre. Ok, donc on va lancer ça. Et donc, je vous mets la minimum basse ou vous êtes chaud pour faire du plus gros? Moi je vous mets le minimum, c'est-à-dire toi t'as 2 adversaires, Ikoma, et seulement 3 pour toi, Ida. Mais si vous me dites que vous voulez taper plus, vous me dites. Hein. Du 0G4 en dégâts, on va se contenter de 3. Hein. Ok. C'est bon pour toi aussi, Obi ? Dans 2 ouais, je vais pas être gourmand. Je vais pas être okay. Gourmand. Ok, d'accord. Allez, on commence par Ida. Donc, Ida, donc, tu vois ton. On va dire ton apprenti. Qui a donc un genou à terre, il s'est bien battu, tu sens qu'il en a buté quelques-uns, hein, clairement. Et là, donc tu vas en mode berserker, t'en as 3 au-dessus de lui du style saloperie, on va te massacrer. Enfin, tu comprends à peu près l'image. Hein. Et là, tu fonces dans le tas, donc je considère que t'es en charge gratuite. Hein. Donc, et puis, voilà, t'arrives au combat, en gueulant comme un malade, et je considère que t'es en position d'assaut à ce moment-là. Ça te va? Ok. Ouais, ça me va, parfait. Ok, vas-y, fais-toi plaise, on lance l'initiative. Je fais la même pour les 3, hein, comme ça je vais aller plus vite. Ok. Ah. Bah, c'est pas brillant, là. Oh, putain. Bah allons-y. Hein. Ils ont 17 les tiens. Ok, donc c'est parti mon kiki. Donc ils sont 3, bah toi de frapper en premier Ida. Bon, évidemment, vu ce que vous êtes les chouis, je considère que la plupart de vos troupes suivent vos directives. Hein. Ils ont suivi la directive de Ida dans les dés des combats. Ils vous voient vous battre, ils se battent. Hein. Et les seuls qui repartent, c'est ceux qui sont bien blessés. Hein. On va dire que Doji organise pas mal le rapatriement des blessés. Et maintenir la ligne, il fait pas mal la liaison. Et Hide Kage, en fait revenir les troupes à l'arrière. Enfin, tu vois, ils font un bon travail. Du coup, vous n'êtes jamais en sous-effectif. Du coup, est-ce que malgré mon état physique, je peux guider les troupes ou des trucs comme ça pour qu'ils gardent la ligne, pour qu'ils gardent le machin aussi, tu vois? Ah ouais, non, mais ouais, t'as pu donner quelques ordres aussi. Mais t'es un peu dans le coltard, mais tu peux donner des ordres. Oh, dans le coltard, je suis blessé. Bah, ok, bah tu as avec Doji Ito. Et tu participes au recadrage en fait et la répartition des troupes. Voilà. Après, clairement, les lignes ennemies ont l'air de battre en retraite ou de réduire.
Vous sentez que ils n'avaient pas pris conscience d'un choc structuré organisé avec des murailles, hein, clairement pas. Du coup, Ida, vas-y, fais ton jet d'attaque. Ok, je prends 3 augmentations. Ok, tu frappes lequel ? Donc j'ai numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Bah écoute, on va frapper numéro 2. Alors, ils ont... Bon, ça passe, hein, je me fais même pas chier. Vas-y, on les touche sur un 25. Il a moins 6 à son armure. Enfin, à son encaissement d'armure. Ok, bon bah du coup, on compte pas l'armure. Bon, bah, il a vachement mal, le premier. Donc, tu m'as dit que c'était numéro 2, donc moins 48. Ok, vas-y, à toi. Sproch. Deuxième attaque, c'est ça ? 40, non. Attends, je vais vérifier que les règles de calcul ont bien fonctionné. Ok. Là, je prends pas d'augmentation hein, pour le deuxième. Ok. Bon, j'aurais dû. Ah bah, ça va trancher, chérie. Hein. C'est toujours le même mec ou un autre ? Non, non, c'est un autre. T'as un autre. Ok, vas-y, des dégâts. Ça va trancher. Donc, moins 48 encore. Alors, t'as visé numéro 1 ou numéro 3, là ? Ouais, numéro 1, allez. Numéro 1. C'est con, j'étais en train d'écrire numéro 3. Allez, vas-y. Ok, donc les deux premiers ont pris une bonne branlée, les deux premiers. Donc, du coup, je vais faire les attaques, les dégâts. Ah, putain, ouais, d'accord, ouais. Donc, je vais faire les deux que t'as blessés parce que ça va être drôle. Alors, attends, je réfléchis à leur G. J'ai qu'un seuil de 20, hein, de toute façon, comme je suis en rage. Comme je suis en assaut, excuse-moi. Oh, on touchait sur un combien en fait là ? Non. 20. Un 20, ouais, du coup. Donc le dernier t'a touché, du coup il va faire les dégâts. Ouh, 30 points de dégâts, tu retires ce qu'il faut. Hein. Ouais. Voilà. Et 10, voilà pour le premier tour. À toi. On fait le deuxième tour tout de suite ou tu passes à Obi? Oui, non, on fait le tour. On va faire. À moins qu'Obi, tu veux. Non, finissez, c'est plus. Ouais, c'est un combat. Ils ont clairement pas le bon niveau donc. T'as visé lequel là? Ah bah le numéro 3. Ok, vas-y, donc fais les dégâts. Putain la vache, 50. Ok, bah vas-y, deuxième attaque. Hein. C'est sûr, hein. Clairement, dans la brume, vous voyez une sorte de masse qui tranche, enfin qui. Ouais, c'est ça, t'as Ono là. Donc, qui tranche, qu'il y a du sang qui gicle, enfin vraiment, c'est. Ça fait. Voilà, il y a du mort-vivant dans l'idée, donc du coup, ça. Oh putain. Oh là là. Oh, il est beau celui-là. Il y a un truc qui est pas clair dans la formule. Ouais, mais tu utilises des DS, ton S en 5 il marche pas. Hein. C'est pas. Ouais, c'est bizarre, les autres ils ont marché donc bon. Non, mais ton à chaque fois que tu mets un S, ton S il est petit et du coup ça fait chier. Faut le mettre en majuscule. Ah, mais attends, je vais mettre en grand, je refais le truc. Parce que là ça fait plus. En fait, le S minuscule c'est le activer le tri. Le S en majuscule par contre. Ah, c'est déjà mieux. Okay. Voilà, ça passe hein, du coup, aucun problème. Tu gardes tout tes dés en fait. Parce qu'il ne comprend pas l'opérateur K qu'il n'y a pas de chiffre derrière. Vas-y, on fait les dégâts pour le dernier. DG5. Ah putain, il est où voilà.
Ah, 66, c'est ça? Ouais. Bon, bah, t'as tranché quoi? Numéro 1, numéro 2 ou numéro 3? Ah, bah, le numéro 3 pour le terminer. Bon, bah, il est mort. Voilà, donc fin du tour. Tour suivant, du coup. Raté. D'autre. Raté. Moi, je prends plus d'augmentation. Hein. Oh, bon. Tu les touches sur un 25. Ça passe. Il est mort. Donc, le numéro 1 est mort. Ça passe. Il est mort. Voilà. Donc, il faut imaginer la scène, hein. Gros carnage. Hein. Après, si tu veux me décrire une vision de toi, moi j'ai l'idée, mais... Ah non, mais ça, c'est Otetsubo, donc je pense qu'effectivement, c'était pas beau à voir. Ah non, c'est de la boucherie, il y a du sang un peu partout, mais tu vois, c'est un peu, il y a comme une sorte de montagne, de monticule. Tu vois un peu le film à la Mad Max, tu vois, tu vois avec le brouillard, la lumière des flammes au fond, ça à côté, mais vraiment, il y a une belle photo à faire, un beau selfie, mais dans l'idée, voilà, c'est... clairement, on repère ta masse, tu vois qu'il y a quelques zombies qui commencent à reculer, certains ont peur de toi, qui commencent à fuir. Vraiment, là, tu viens de t'imposer. Tu vois même le regard de ton jeune apprenti qui te regarde émerveillé du style. Oh, une icône. Qu'est-ce que j'aurais pris cher si j'avais pas fait le demi-tour. Du coup, Aikoma qui a décidé de charger les lignes ennemies pour les briser. Ouais. Elle se retrouve devant deux morts vivants. Qui commence à charger en premier, évidemment. Oui, qui m'attaque en premier. Ouais, ils sont en position assaut. Du coup, si moi je suis en assaut, ils me touchent sur un 20. Hein. Si je suis pas en assaut, ils me touchent sur un 30. Ok, ils font deux augmentations du coup. Du coup, ils te touchent sur un 30. 30. Donc le premier tape, ça passe. Et du coup, les dégâts. Elle met lui. Hein. Oh, ça me fait du G4. Voilà, 48 points. Ah ouais. Ah, ça picote un peu. Hein. Et du coup, il a qu'une attaque, je fais le deuxième. Il fait la même donne, hein, l'autre aussi. Attends, je gardais combien pour l'autre? G4? Oh, je pensais regarder plus. Ouais, bah tant pis, hein, du G4. Allez hop. Ouais. Ça touche aussi. Ah pardon, je parlais dans le vide, excuse-moi. Obi, c'est bon, tu peux y aller, hein, tu peux frapper. Ok. Je prends pas d'augmentation. Parce que, D'accord. C'est un peu compliqué. Ouais, j'aurais dû. Bon bah du coup ça passe, hein, le premier, hein, fait les dégâts. Ok. Deuxième attaque ne passe pas. Tu lui touchais sur un 25 moins 10 sur un 15, ça passe. Ah.
Du coup, t'as visé le même ou un autre? Oui, le même. Ok. Donc, ok, 37. Ok, tu viens de le tuer. Tu as, il sait, le ventre commence à s'ouvrir, il y a du sang partout. Ok, prochain tour, du coup l'autre s'énerve et te fait la même donne, du coup. Pas en assaut. Lui par contre se met en assaut. Je veux poser une question. Shotag, il fait quoi en fait? Et bah, il a essayé de te soigner. Ah. Et bah du coup il est allé chercher de l'eau, des choses comme ça. D'accord, ok. Il est, il fait pas très bien, ni... Il a repris deux augmentations? Non, il est parti, il a juste visé normal, mais il était en assaut. Bah oui, oui, ça passe, oui. Ok. Du coup il fait les... Voilà. Ça, ça va me faire mal. Alors, ok, bah il me reste 4 points de vie. Ou je suis en combat. Donc là, il te reste 4 points de vie, hein, tu m'as dit. Ok. Pardon. C'est à ce moment-là que justement que tu vois Dao qui arrive et qui frappe la personne, dans l'idée, qui du coup la blesse bien, hein, il ne tranche pas mais il le blesse bien, il te chope ensuite, il te traîne, hein, te porte le mieux qu'il peut vers les lignes arrière. Tu peux parler, hein, tu peux lui dire un ordre du style non, laisse-moi là. Non, je suis hors combat, donc non, je peux pas parler, non. Je suis hors combat, je suis inconsciente là. Ok. Ah merde, t'en es à ce point là. Ah ouais, ouais. Voilà. Est-ce que moi je peux voir d'ici? Bah tu le vois qui va arriver, il y a Dao qui va le ramener. D'accord. Ah attends, t'es hors combat. Ah attends, mais du coup est-ce que je mets Dao ou pas? Bon allez, j'avais lancé Dao, du coup Dao te ramène. C'est logique. Non, c'est pour savoir si je l'ai souillé, mais... Du coup Dao te ramène. Non, les ennemis. Tu peux me faire un jet de perception, Ida. Shiba, tu peux me faire un jet de perception aussi. Pur. Ok. Et Ida? Très bien. Donc Ida, hein, t'es plus en mode berserker. Donc c'est pour ça que t'as pu le refaire. Ouais. Tu regardes donc ton... J'ai le temps de me poser une question. Oui. Y a une durée pour la rage berserker, d'accord? Ouais, 6 tours. Je suis en train de fouiller dans le bouquin, mais je trouve plus la page. Il y avait pas un contre-coup sur les rages? Je sais plus du tout. Mais Je suis en train de regarder, mais je trouve plus la page dans le bouquin, quoi. Donc, C'est à la fin, ouais, c'est à la fin. Faut que je te le retrouverai après. Je suis pas très très loin, mais c'est dans les classes avancées, en fait. Mais de toute façon, c'est pas très très grave là. Du coup, tu vas t'apercevoir, en fait, tu commences à regarder ton petit camarade, tu sais, le petit. J'ai pas Shinjo, mais si, c'est un Shinjo. Utaku. Utaku, voilà, merci. Le petit Utaku, et tu vois qu'il a des formes sur sa main et son visage commence à devenir un peu côté mort-vivant. Donc tu vois ça, donc ça te surprend un peu, et tu regardes ta main, et tu vois que ta main est aussi à côté mort-vivant. Donc même un bout de ton armure aussi, des petites choses comme ça. Voilà. Ok, ok. Donc les ennemis battent en retraite, c'est ça? Les ennemis battent en retraite, ouais, clairement. T'as été contaminé, on va falloir te tuer. Ah ouais, alors je me coupe la main. C'est embêtant pour ta nouvelle Tetsubo. Du coup, tu ramènes tes troupes, tu fais quelque chose? Non, on reconsolide, enfin, on consolide la ligne de défense, quoi.
On s'assure d'accord. que les blessés partent bien en arrière, on ramène les troupes. Donc vous avez bien. On écagne un peu les autres. Vous avez bien ramené les blessés, il n'y a plus d'attaque, plus rien à ce moment-là. Vous regagnez tous votre. Il y a plusieurs heures qui se passent, hein, donc du coup, vous réduisez vos blessures. Donc. Il y a des bandages qui sont faits pour chacun. Du coup, vous gagnez tous moins 15 points de blessure légère. Wow. Ah putain, je suis pas de la je suis en bien meilleure santé. Ok. Bah, moi aussi, ouais. Mais par contre, voilà, vous regardez tous, au niveau de la première ligne en tout cas, et clairement, vous voyez tous des. Vos armures, vos parties de vos visages semblent comme si, voilà, vous voyez un mort-vivant. Mais vous comprenez. Bon, tenez le mur quand même. On passera après. Après le suicide collectif. Pas après. Bah du coup, la nuit se termine. Enfin, la nuit continue plutôt. Et aux premières heures du jour, la brume commence à être toute partie. Et vous ne voyez sur vous plus aucune trace, sur vos camarades, de cet aspect mort-vivant. Par contre, vous voyez le champ de bataille, hein, du coup, maintenant vous le voyez bien avec plein de cadavres. Et donc, c'est des morts-vivants ou c'est des. Bah, vous voyez surtout des soldats phénix. Le brouillard donc s'est levé. Le brouillard, c'est totalement. Ah, j'ai trouvé, c'est page 251, Ida. Ah, ok, je te remercie. Ouais, 251. On voit Berserker. Du coup, voilà, vous voyez en fait plusieurs bataillons, plusieurs unités, Phoenix. Tranché. Tu vois ton petit monticule, Ida, et clairement, les trois corps que t'as tués, c'est des phénix. Oups. Bah, un phénix récent ou un phénix Bah, genre récent, oui, oui, parce qu'il n'y a pas de marque de souillure sur eux, c'est pas les morts-vivants que vous avez tapés. Ah, en tout cas, vous avez pas l'impression que c'est des morts-vivants. Si ce n'est les dégâts, les blessures... Voilà. Voilà, vous imaginez la gueule de bois. Vous vous regardez tous. Et tout le monde commence à regarder les généraux, donc vous entre autres, pour savoir qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça. Moi, je fais peut-être juste une petite suggestion comme ça. On a vu des morts vivants. Dès qu'on les a tués, le truc mort vivant s'est barré. Voilà. Mais de toute façon, alors, quoi qu'il arrive. Nous, on était stationnaires, on a été attaqués. De toute façon, qu'est-ce qu'on doit penser de ça? On a protégé la ligne, on a tenu notre position et on s'est défendu contre une attaque. Bon, il y a Hidekage qui commence à qui a pris le soin de chacun d'entre vous, évidemment, et là qui commence à arpenter avec d'autres personnes, évidemment, le champ de bataille. Bon, c'est une magnifique victoire, hein, clairement, vous avez dominé le pavé. Il n'y a pas de trace du cadavre d'Izawa Toga. Non. Non, et par contre, voilà, il y avait pas mal de feux encore dans la forêt. Et voilà, je vous laisse finir hein, déjà. Par contre, donc, la plupart de vos gardes attendent une réaction de vos parts. Hein. Clairement, ils se posent la question, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on est on est tous morts déjà ou... Non, je fais... Tu peux parler un peu plus, hein, tu as repris des points de blessure. Alors moi déjà je commence par les féliciter pour avoir aussi bien combattu et tenu la ligne. Le résultat parle de lui-même, on a tenu la ligne et nous avons repoussé l'assaillant. Maintenant, tant qu'à savoir de quoi il s'agit au niveau de l'attaque, c'est alors, quelque moi, chose qui dépend de... Tu voulais dire quoi? Je vais aller le tuer, le moine. Lequel? Celui qui est revenu et qui a dit, qu'il était poursuivi par un monstre. D'accord, tu le cherches? Ouais. Personne ne le trouve.
Ah, moi, je vais me relever quand même. Oui, là maintenant, tu peux te relever, la nuit est passée. Tu peux même utiliser tes pouvoirs sur toi, il n'y a pas de souci. Oui. De toute façon, j'ai pas de pouvoir de guérison sur moi-même. Ah oui, c'est vrai, ça marche pas. Ouais. Du coup, ça moi, je proposerais bien d'envoyer un éclaireur au niveau du de l'entrée de la deuxième forêt. Quoi. M'approcher un peu du champ de bataille, pour voir un peu. Ah bah, tu vois clairement, il y a des hommes à vous qui sont morts, mais en face, et, voilà, vous avez attaqué, vous êtes frité contre une armée phénix, quoi. Ah, si dans l'eau vous avez peut-être vu peut-être un moine, vous savez, comme celui qui t'a attaqué par exemple dans l'idée, ce style-là. Il y en a peut-être un, ouais, vous arrivez à trouver un corps parmi d'autres corps qui ressemble à ça. Ouais. Mais il n'y en a qu'un. Comment faire récupérer les déchets et puis. C'est celui qui n'a pas eu de bol et qui s'est fait exploser en fait par 6 ou 7 samouraïs en même temps et du coup il n'a pas pu se défendre. C'est possible. Il mérite. Moi je trouve ça quand même très étrange, ça m'emmerde tout ça. En fait, je sais que Isawa Toga a réussi à communiquer avec moi en rentrant dans ma tête. Et du coup, je me demande si en méditant et en me concentrant, je peux réussir à utiliser ce lien pour l'appeler. On envoie un messager, alors quand il est pas trop loin, hein, il suffit qu'il trouve la forêt et pas de rentrer dedans. Vu la puissance d'Izawa Toga, une illusion comme ça, il aurait pu la casser. Il aurait pu protéger son armée pour la. Donc si clairement, pour moi, il est complice, quoi. Enfin, je vois pas comment lui qui était censé en revenir avec l'autre armée, il s'est pas rendu complice de la chose, quoi. Ah, c'est truc dans tous les cas, en voyant un éclaireur, on le saura comme ça. Peut-être une façon de voir. Ah, vous envoyez qui comme éclaireur? Bah moi je vais y aller parce qu'en fait comme ça on pourra pas accuser quelqu'un d'avoir voulu entrer dans la forêt. Bon bah du coup tu commences à rentrer dans la forêt, tout seul? Je vais aller vers l'entrée principale. Là l'entrée principale, il faudrait que tu fasses tout le tour. Mais tu es obligé de rentrer dans la forêt. Après, tu peux te diriger vers l'entrée principale. Parce que vous voudriez peut-être avoir quelques petites infos avant de. Enfin, je sais pas, là vous vous lancez dans un truc alors que vous n'êtes pas venu me voir, tu vois, ça veut dire que c'est un peu. Bah oui, déjà on va venir te voir, oui, première chose. Hein. Je trouve un peu difficile là-dedans. Vous prenez devant alors que dans le sens où je reviens de la forêt en fait. Togashi Sama San, je sais même pas, je sais même plus comment on dit. J'aurais quelques questions pour vous. Shiba Yeshiro Sama, je crois que j'en ai aussi également des réponses à vous donner. La première question est. Vous êtes-vous permis de rentrer dans une forêt qui était déclarée comme une zone interdite par le clan du Phénix? Tintin 1-1. Ah mais les moines ne sont pas soumis à certaines règles. T'es aussi samouraï. Oui, je sais. Mais Du coup, t'es soumis à certaines règles. Ouais, alors ça dépend du point de vue, hein, parce que moi, voilà, ça dépend des points. C'est pas un samouraï, hein, clairement. Dans le bouquin, ils disent c'est samouraï moine. C'est pour ça que c'est très ambigu, comme c'est les seuls qui sont comme ça. Pour ça que un courtisan va pouvoir jouer. Si t'es un moine, t'es un moine. Si t'es un shogun, clairement, ça peut jouer à la cour. Mais n'oublie pas, tu es samouraï moine. C'est un statut hyper bâtard, hyper unique. Je sais très bien que du coup, ça peut être ambigu. Tu peux jouer sur en disant ouais, je suis qu'un moine et tout. Ouais, il y a la plupart des gens vont dire c'est vrai, il est moine Togashi. D'autres vont dire ah, mon cul, ouais, vous êtes des samouraïs et puis basta. Tu sais, c'est une question de statut, etc. Ça dépend à qui tu t'adresses et ça dépend qui, comment il le prend. Donc c'est juste que tu aies conscience de ça en tant que Togashi, c'est tout. Oui, tout à fait. Hein. Et tu peux très bien dire je suis qu'un moine. Alors mais vas-y. Je vais répondre à ça. Je ne suis qu'un moine Togashi. Et mon destin m'a mené dans cette forêt afin de découvrir ses secrets.
Alors, pouvez-vous m'expliquer comment vous êtes revenu à cette forêt et quand? J'ai pas bien compris. Alors, répétez-moi. Pouvez-vous m'expliquer comment et quand vous êtes revenu à cette forêt? Ah oui, t'es parti dans la nuit tout seul sans prévenir, hein. Eux ils sont pas du tout au courant. Je suis parti dans la nuit explorer cette contrée en compagnie de du moine Chetail, qui d'ailleurs a l'air d'avoir disparu. Fort à propos, c'est lui qui vous a... Alors, Chotai, nous savons qu'il est avec vous parce qu'il est venu tout d'un coup en nous disant qu'il était poursuivi par des monstres. Et lorsqu'il est arrivé, il vous portait et il était poursuivi par des créatures qui ressemblaient mortes, tout en étant trop agressives. Cela dit, maintenant que le jour est levé, les créatures ont l'air parfaitement vivantes. Enfin, ont l'air d'avoir été des soldats du Phénix. Que s'est-il passé pendant que vous étiez dans cette forêt et qu'avez-vous fait? Je n'ai pas de réponse claire au niveau de ce qui se passe dans cette forêt, et encore moins près des ruines que j'ai explorées. En contrepartie, j'ai découvert ceci. Et puis je te donne en fait le... J'ai retrouvé nos éclaireurs, nos derniers éclaireurs perdus. Vous avez, attends, découvert les éclaireurs manquants dans la forêt? Oui, tout à fait. Dans quelles conditions? Il y a un immense feu ébrasé qui est visible venant des rues, là. Non, ouais. Ok. Il y a quoi? Il y a un immense feu brasier qui est visible de venant des rues. Et nous, on voit un feu d'ici là-haut, ouais. Ouais, vous commencez à le voir, mais il est loin, vous voyez une fumée, une colonne de fumée. Ouais, c'est la voie de quoi qu'elle fait. Ah ouais, des ruines, trop bien. On est en surplomb, faut pas l'oublier, donc on a vu sur la forêt au-dessus, quoi. Exactement. D'accord. Le phénix a dû réussir à nettoyer la forêt, quoi. Avez-vous vu des gens, en dehors de Chotai, qui visiblement étaient plus... à des comportements des plus circonspects. Je suis tout à fait d'accord. En plus de ça, au moment où nous nous sommes rapprochés des ruines, à quelques mètres des ruines, j'ai senti mon esprit s'emballer plutôt dans... Oui, j'ai été un peu éveillé, mais je sais pas comment dire ça. T'étais un peu drogué. T'as la tête qui tourne un petit peu, t'es... J'avais la tête... j'étais un peu engourdi, et puis j'ai perdu un peu mes capacités. Alors que Chetaï n'en a perdu absolument aucune. Je le soupçonne d'être au courant de certaines choses. Cela va sans doute. Mais depuis le début, Chotai a toujours fait montre d'une étrangeté qui, moi, me mettait un peu sur la défensive. Je suis surpris que dans votre sagesse, Bonakel, vous n'ayez pas pris note du fait qu'il était très différent de vous en tant que moine. Différent, certes, mais même si le chemin est différent vers l'illumination, cela reste le chemin.